Yann Arthus Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Yann Arthus Bertrand, 74 ans, photographe. On vous a fait venir ce soir pour parler d'écologie, parler de votre dernier film Legacy, pour parler de perspective et de prospective, et même peut-être un peu de futur. Comment est-ce que vous voyez notre futur? J'en sais rien. Je ne suis pas futurologue. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi. Et c'est d'ailleurs, c'est drôle parce que quand on avait commencé dans Legacy, on commence par la grotte Chauvet. D'ailleurs, qu'on voit ces gens qui allaient avec des... Comment ? C'était magnifique, les images. Ah oui, c'était magnifique. Oui. Et ces images 3D, ces images 3D. Et on voit, imagine ces types qui avec de la graisse d'animaux, tu vois, dans la fumée, dessiner ces dessins qui ont 35 000 ans, c'est extraordinaire. Et ces types, ils ne savaient pas d'où ils venaient et ils ne savaient pas où ils allaient. Et voilà, ils vivaient dans un monde assez hostile, même sauvage. Alors que nous, on sait très bien d'où on vient et on sait très bien où on va. Et ça qui était intéressant, ce que je voulais dire dans le film, enfin, on ne l'a pas dit parce qu'on a dit autre chose, mais ça m'a toujours fasciné l'intelligence de l'homme, quoi, cette capacité incroyable qu'ils ont eue. Alors un animal qui n'était pas du tout doué, qui n'avait pas de griffes, qui n'avait pas une peau solide, ben, qui ont réussi à coloniser le monde uniquement par l'entraide et l'intelligence. Voilà. Et c'est ça l'histoire de Legacy, c'était aussi de commencer par cette histoire incroyable de l'homme sur la Terre. Ça m'a toujours fasciné ce qu'on a réussi à faire, quoi. Comment aujourd'hui l'homme a réussi à coloniser la Terre et pratiquement supprimer tout ce qu'il n'y a pas, tout ce qu'il n'y a plus, pas d'humain sur la Terre n'existe plus, quoi. On est vraiment... Il n'y a plus que l'homme aujourd'hui. Alors l'homme sait où il va, alors il va où? Il va vers un monde compliqué. Si on croit ce que disent les scientifiques, on va vers un... Il n'y a pas très longtemps, il y avait un article, il y a quelques jours, sur la météo en France, par exemple. Météo France? Oui, de Météo France, c'est comme incroyable, c'est épouvantable ce qu'il raconte. Il raconte qu'à la fin du siècle, si on continue comme ça, il y aura 4 à 6 degrés. Et 4 à 6 degrés de différence en France, ben c'est des problèmes d'alimentation, c'est des problèmes, on n'a même pas idée où on va avec ça. Voilà. Vous côtoyez souvent des puissants, vous êtes invité souvent par des puissants? Pas tant que ça. Non. Pas tant que ça. Les politiques, peut-être, vous consultent? Pas vraiment. Je connais beaucoup de politiques avec qui je parle. Non, je ne... Non. Non, je ne consulte pas. Je crois qu'on regarde mes films ou on écoute ce qu'on dit à la Fondation, mais je ne pense pas qu'on me consulte beaucoup, non. Les politiques avec qui vous discutez, ils ont quel constat? Je pense que l'homme politique aujourd'hui... les gens que j'ai vus autour de moi qui s'intéressent le plus à l'écologie, c'est souvent des politiques femmes. Hidalgo, par exemple, que ce soit Valérie Pécresse, que je connais un petit peu... je les ai vus écouter des conférences longtemps, sans pianoter sur leur portable, en s'intéressant vraiment à ce qui se passait. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que... On sait peut-être que les grandes héroïnes de l'environnement, c'est des femmes. Et pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt pour l'avenir, je sais pas. J'ai toujours été étonné. En tout cas, ces deux femmes-là, que je connais un tout petit peu, s'intéressent à l'écologie. Et j'ai vu par exemple Valérie Pécresse écouter une conférence sur le changement climatique à la Fondation pendant une heure, en prenant des notes et en se concentrant. Voilà, ça m'a assez impressionné. Et d'ailleurs, je dis pour rigoler, je disais que pour la prochaine élection présidentielle, j'aurais bien vu un ticket Pécresse-Hidalgo. Voilà, j'aurais bien vu ensemble, alors c'est pas possible, mais j'aurais bien vu deux femmes intelligentes ayant l'habitude, qui ont dirigé des territoires importants, capables de diriger la France. Vous votez? Oui, bien sûr, je vote. C'est important de voter. J'ai toujours voté vert, d'ailleurs, depuis toujours. Sans doute, peut-être plus par romantisme, par efficacité. Mais je vote du monde. J'ai voté du monde dans les 70. Donc, tu vois, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. À l'époque où l'écologie n'existait pas, quoi. L'écologie, c'était plus parler de jardinage, quelque part. Je me souviens, dans le petit village où j'habitais, je voyais ma voix dans le journal. Il y avait une voix du monde, c'était la mienne. 300-400 voix.
quelle est votre perception des partis écologistes en France? C'est une querelle de clochers, c'est de l'opportunisme politique, c'est quoi? Je les connais très peu, en fin de compte. Parce que moi, en fin de compte, ce monde politique, je ne me sens pas à l'aise du tout avec eux. J'ai toujours voté vert, ça m'intéresse. C'était Guémard ou Rocard qui m'avait dit ça, qu'on avait fait en interrogé pour Human, qui disait que la méchanceté était une qualité en politique. Et malheureusement, je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Et je vois chez les Verts, c'est même incroyable depuis, en fin de compte, enfin, je l'ai dit tellement souvent, mais ça m'a toujours déçu ces bagarres internes qui ne devraient pas avoir lieu. Et d'ailleurs, c'est en train de changer, ça, aujourd'hui. Il y a une espèce... C'est drôle parce que moi, je parlais souvent de bienveillance, de gentillesse. Et aujourd'hui, même les politiques disent ces mots, gentillesse et bienveillance. Peut-être que c'est... qu'on en a plus envie. Là, avec le Covid, le pays est pratiquement arrêté. Vous, avec vos 75 ans, ça vous fait quoi? Comment vous percevez ce séisme? Est-ce que vous y... Alors qu'on parlait de pandémie quand même depuis longtemps et qu'on était au courant, je pense qu'il faut faire le deuil du monde d'avant. Le monde d'avant ne reviendra jamais parce que ça nous a permis de réfléchir, de voyager d'une façon différente, de communiquer, les visioconférences, cette vision de faire peut-être plus attention à l'autre, de se rapprocher. Moi, j'ai eu la chance de faire un confinement chez moi à la campagne. Et je me suis beaucoup promené dans la forêt, énormément. Et je peux te demander un truc, bien sûr. En direct. J'aimerais que tu me regardes quand je parle. Parce que je te regarde. Ah non, parce que je te vois regarder tes trucs. C'est pas. Je dis gentiment. J'aime bien parler à quelqu'un. Je t'explique. Là, en ce moment, tu es en train de parler à moi. Mais tu es surtout en train de parler à toute la communauté qui est pluguée avec mon écran à droite. D'accord. Et en fait, je vois notre communauté interagir en direct. C'est pour ça, d'accord. Mais ce n'est pas un manque de respect. Non, ce n'est pas un manque de respect, c'est que c'est... Ouais, c'est pas... et c'est important pour nous d'être connectés. J'aime bien d'être parler à toi, voilà. D'accord. Je me ferai un grand plaisir de te montrer sur le chat. D'accord. On reprend. Merci. Je suis désolé. Non, mais ne sois pas désolé, je te le disais avec bienveillance. Hein. Et quand j'étais dans ma... Voilà, là on est bien, on se regarde les yeux dans les yeux. Quand j'étais chez... Je me suis beaucoup promené dehors pendant la pandémie. Dans la forêt. Et je me suis... Interdit, hein? Comment? C'était interdit. Oui, non, mais j'étais resté un kilomètre de chez moi, mais un peu plus loin. Et il n'y avait personne dans la forêt. Et en fin de compte, j'ai pris conscience, ce qui est assez étonnant, hein, de la beauté de la forêt. Alors que moi, mon métier était d'aller photographier les plus beaux endroits du monde. Je m'apercevais que la beauté évidente, elle était à côté de chez moi, tout simplement. Et que j'ai vécu pendant 2 mois, j'étais tous les jours dans la forêt. J'ai vu la... Le printemps arrivé, j'ai vu les animaux sortir, et c'était vraiment cette harmonie qu'il y avait dans la forêt était magnifique, mais vraiment. Et quand je suis rentré chez moi après, au bureau à Boulogne, je trouvais les villes moches. Je trouvais que les rues étaient moches, les magasins étaient moches. Cette beauté évidente, cette beauté de la vie naturelle, une harmonie, cette harmonie incroyable, elle était dans la forêt autour de chez moi. Et c'est drôle que j'arrive à 74 ans pour me rendre compte que cette beauté évidente, elle était chez moi autour. J'ai passé ma vie à le chercher, pas ailleurs, mais enfin, elle était là aussi. Et ça m'a impressionné. Alors bien sûr, je pense que la crise économique qui va devant nous va être terrible, compliquée, et que ça va être difficile à gérer. Voilà. Je suis comme tout le monde, je fais des films, je fais de la production, tout est arrêté, on ne peut plus tourner. On est en train de faire un film sur les... par exemple, sur les 150 de la Convention citoyenne, et que c'est très difficile de filmer les gens avec les masques, donc on a dit qu'on allait pas continuer. Donc on attend parce que ce qui est formidable dans la Convention citoyenne et qui m'a sidéré, qui m'a vachement intéressé, c'est que tous ces 150 Français qui ne connaissaient rien à l'écologie, choisis un peu par hasard, sont devenus encore plus radicaux que moi je le suis. Et ça m'a fasciné, comme ils parlent auprès de leurs amis, auprès des gens de leur famille, comme ils sont convaincus maintenant de leur responsabilité de citoyens et de choses qu'ils ont appris pendant ces 7 week-ends. Et je pense qu'on devrait tous avoir cette espèce de formation sur l'environnement, l'écologie. Et si les politiques l'avaient, je pense que sans doute qu'ils se sentiraient peut-être un peu plus concernés, j'imagine. Est-ce que vous les sentez coincés, les politiques ?
C'est-à-dire qu'ils sont peut-être concernés, mais ils sont coincés. Leur marge de manœuvre est-elle aussi épaisse qu'une feuille ? Moi, j'ai une vision. Je passe mon temps dans toutes mes conférences, quand j'en fais après le film. Il faudrait monter le film en politique, et les lobbies, et Trump, et le Brésil, et les Chinois. Quoi. C'est toujours la faute des autres. Aujourd'hui, je pense sincèrement que l'homme politique est le reflet de notre société. Ils ont été élus, ils nous ressemblent en fin de compte. Quand il y a la marche pour le climat, on est 50 000 dans Paris. On est content d'être 50 000. Quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 3 millions dans la rue. Je pense qu'on sera 3 millions dans la rue à manifester contre le dérèglement climatique. Les politiques seront avec nous aujourd'hui. Je crois qu'on parle beaucoup d'environnement, beaucoup d'écologie, mais on n'a pas encore, on n'est pas prêt à accepter des contraintes, on n'est pas prêt véritablement à faire des efforts. Très peu de gens le sont parce que on vit tous de la croissance. On vit de la croissance, c'est la croissance qui paye les hôpitaux, qui paye les écoles, qui paye les fonctionnaires. Et on a besoin de ça pour vivre, quoi. Et donc le discours écolo de vivre mieux avec moins, de dépenser moins de pétrole. C'est le mot épouvantable que tout le monde déteste, ce mot de décroissance. Quoi. C'est presque un mot mal élevé qu'on n'a pas le droit de dire. De post-croissance, il va bien falloir qu'on s'y habitue obligatoirement. Et personne n'a envie de... C'est difficile, même moi le premier. Hein, je, dans ma fondation, je vis avec des mécènes. On est tous imbriqués un peu là-dedans, c'est difficile de changer. Et je pense que l'homme politique est le reflet de cette angoisse. Et pourquoi l'homme politique, il a été élu ? Il a été élu pour préserver l'emploi. Le pouvoir d'achat, le point de croissance, c'est le graal absolu de tout homme politique. Et le point de croissance n'est pas bon du tout pour l'environnement, on le sait tous. Voilà. On s'est toujours sorti d'une récession, par une augmentation de consommation énergétique. Là, on est dans une grosse, grosse récession. Mmh. On ne va pas pouvoir faire comme on a fait depuis les 100 dernières années. Vous voyez comment le peuple... appréhender la transition écologique alors que les gens ont du mal à travailler, ont du mal à s'alimenter, ont du mal à trouver du travail. Mais tu me poses des questions impossibles là, que personne ne connaît la réponse à ça. Ça fait un paquet de moments qu'on en parle et je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je sais simplement que moi, mon travail, c'est d'essayer d'amener la conscience écologique au cœur, quoi, afin que qu'en permanence, qu'on réfléchisse, comment dans ma vie, au quotidien, je peux donner du sens à ma vie. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est cette époque actuelle nous permet à tous de donner du sens à notre vie plus facilement qu'avant, je pense. En tout cas, c'est une réflexion, on peut tout savoir. Et donner du sens à sa vie, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le monde dans ma vie quotidienne, et qu'on soit journaliste comme toi. Pas journaliste, que ce soit pas journaliste comme toi, ou qu'on soit photographe ou réalisateur comme moi, ou qu'on soit chauffeur de taxi ou architecte. Chacun a le pouvoir de changer le monde autour de lui, et ça, c'est quelque chose qu'on doit accepter. Tout ce qu'on a, on peut le faire. Et voilà, et qu'on a tous le pouvoir de changer le monde à sa façon, et c'est même un devoir. Et je pense qu'on peut tous le faire, avec nos votes, ce qu'on achète, ce qu'on fait, voilà. Et réussir sa vie professionnelle, c'est pas très difficile, mais réussir sa vie d'homme, c'est beaucoup plus compliqué. C'est difficile quand même en ce moment de réussir sa vie professionnelle. Ça dépend, mais oui, bien sûr, quand bien on évidemment. Est jeune, quand on est jeune, quand on a 20 ans, quand on a déjà du mal à s'alimenter, quand on se fait expulser de sa chambre d'étudiant. Alors, on vit en France. Mais en France, Moi, je m'occupe d'un orphelinat à Brazzaville. C'est pas la même chose, hein. Quand vous êtes en France, on est comme un pays, même s'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, on a quand même une chance incroyable de vivre dans ce pays, avec une éducation gratuite, avec la santé gratuite. Quand vous habitez à Brazzaville et que vous à Addis-Abeba, que vous venez d'un des pays où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas de services de santé, où il n'y a pas d'éducation, où il n'y a pas de démocratie, vous n'avez qu'un rêve, c'est de vivre, d'aller... rejoindre ce pays incroyable. On n'est jamais content, on se plaint tout le temps. N'empêche qu'on vit dans un paradis pour ces gens-là. Et on a tendance à l'oublier. Je suis un privilégié, je le sais. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi. Mais dans mes voyages, ayant vu pas mal de gens, et surtout m'occupant d'associations et voyant des gens qu'on a vraiment besoin, on est quand même dans un pays assez protégé.
Et même aujourd'hui, c'est difficile de se projeter, mais ça a toujours été difficile de se projeter. Quand on a 20 ans, quand le monde est devant nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis aujourd'hui, peut-être aussi, c'est plus compliqué parce que cette pandémie peut-être nous a fait réfléchir. Quel métier je vais faire, quoi? Est-ce que je vais... C'est important d'aimer ce qu'on fait. C'est même primordial d'être passionné par son travail. Et c'est plus important qu'avant. Donc on va pas prendre un métier où tu n'es pas bien. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et quand je vois, moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Je refuse jamais un jeune qui veut faire de la photo, qui veut me parler. Même, et je leur dis, mais si tu as envie de le faire, fais-le, quoi. Mais il faut que tu aies envie de le faire. Et surtout, c'est tellement important de faire un métier que tu aimes, de te sentir heureux dans ce que tu fais, utile, de te sentir utile. Alors, je n'ai pas toujours été comme ça. Hein. C'est avec, en vieillissant, on essaye d'aller plus peut-être au départ, à l'essentiel. Au départ, vous étiez comment ? J'étais très con, très très con. J'étais vraiment un gosse en guerre contre la. J'étais vraiment un gosse en guerre contre ma famille, contre. J'étais viré toutes les écoles. J'étais vraiment quelqu'un de difficile. Je suis parti de chez moi très tôt. J'aurais pu très mal tourner. Puis bon, j'ai eu la chance. J'ai fait du cinéma. J'étais acteur quand j'avais 18 ans. Et c'est drôle parce que encore aujourd'hui. Je dis souvent aux jeunes, il ne faut pas avoir peur de sa chance. La chance, elle passe pour tout le monde. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de cette chance qui passe. Et moi, j'ai passé ma vie à attraper la chance quand elle passait. Et je me souviens, c'est l'époque où j'étais fasciné par le cinéma. Je voulais faire du cinéma. J'étais au studio de Boulogne-Billancourt. Et j'ai commencé à balayer. Après, j'ai commencé à faire les ventouses, c'est-à-dire pour empêcher que les voitures se garent. Bon, il y avait des tournages. Je suis devenu troisième assistant, t'amènes les cafés. Puis après, je suis devenu deuxième assistant. Puis un jour, j'ai fait un test pour un film d'acteur avec des inconnus. Je me suis retrouvé à Saint-Tropez en tournant un film avec Michel Morgan. Et j'étais fou de cinéma. Je me souviens, quand j'avais parti de chez moi, on ne savait pas où dormir. On dormait dans les cinémas. On rentrait par les portes de sortie et on dormait dans les cinémas. C'est inimaginable maintenant. Et c'est comme ça que j'ai vu Citizen Kane une vingtaine de fois. Donc j'étais très marqué par ce cinéma. Je voulais faire du cinéma. J'avais la grosse tête. J'étais un très mauvais acteur. Donc j'ai fait qu'un film. Voilà. J'en ai fait un deuxième, un au 1617 par la suite. Et voilà, et je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami, qui avait 25 ans plus que moi, et je suis parti. Alors j'avais une famille très aimante, une famille, des gens bien, mais je n'étais pas du tout à l'aise avec le carcan, religion, tu vois. J'étais fou, quoi. Je pense qu'il y a un âge où on a envie de tout casser. Je faisais partie de ces gens-là. La société qu'on nous proposait ne me plaisait pas. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer cette femme qui m'a beaucoup aimé et qui m'a fait confiance. J'ai créé avec elle une réserve zoologique dans l'Allier. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle avait un vieux château, une grande propriété. Et pendant 10 ans, on a monté une réserve zoologique ensemble. C'est là vraiment où j'ai découvert ma passion pour le monde animal et la nature. Donc, c'est cette femme qui m'a fait confiance. Voilà. Vous mangez de la viande ? Je mange de moins en moins de viande. Je suis pratiquement végétarien et c'est vraiment un combat. C'est compliqué. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es écolo, tu sais très bien que manger de la viande, c'est pas bon pour l'environnement. On passe à autre chose directement. Allez, on y va. Et depuis l'an 2000, on en parlait tous, et je me souviens d'avoir été en 2012 à Rio et d'avoir vu un film qui s'appelle Alma, qui est un film qui est gratuit sur YouTube. C'est par un réalisateur formidable, un Français, qui a fait aussi un film Green sur les orang-outans. Et ce film, je regarde le film, et en sortant du cinéma, je dis « je deviens végétarien ». Et d'un seul coup, ça te prend, et tu n'as plus envie, quoi. C'est quelque chose qui est naturel. Était content d'être végétarien. Et c'est drôle parce que 2 ans après, je rencontre un de mes assistants qui était avec moi à ce moment-là, qui était devenu végétarien le même jour que moi, et on ne se l'était pas dit. Comme quoi, de temps en temps, il y a des films, il y a des moments dans ta vie qui sont bien faits et qui te saisissent et tu deviens végétarien. Voilà, alors je fais de temps en temps des... quelquefois, je ne suis pas toujours végétarien, mais je mange très 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 peu de viande, pratiquement jamais.
Mais plus que le problème écologique, c'est la souffrance animale. Je dois reconnaître que quand je vois les films d'L214, c'est quelque chose... Sébastien, bonjour. Comment ? On passe un bonjour à Sébastien. Ouais. Je trouve qu'il faut un travail formidable et que je ne supporte plus la souffrance animale. Je dois reconnaître que derrière la viande, je vois ce qui se passe et ça me... Et c'est très étonnant d'ailleurs comme on est peu là-dedans en fin de compte. Bon, ça commence de plus en plus, L214 fait un travail incroyable. C'est les images, les derniers films qu'ils ont montrés là sur une porcherie, c'est des images, t'as même pas envie de les regarder, quoi. Ces cochons en train de pourrir dans le purin, tu te dis même comment est-ce qu'on peut en arriver là, quoi. Voilà. Alors je te coupe, on va rebondir sur L214 tout de suite. On a accusé L214 d'être sponsorisé par des lobbies qui faisaient de la fausse viande. Complotiste. Comment ? Le complotiste. Les complotistes. Donc ils ont été accusés d'être financés par des lobbies qui faisaient de la fausse viande. Vous, on vous accuse souvent d'être sponsorisé par X ou Y milliardaires, X ou Y producteurs d'énergie, X ou Y personnes. Ouais. Comment vous percevez ça ? Comment vous réagissez face à ça ? Bon, j'ai toujours été beaucoup attaqué. Quand j'ai fait La Terre vue du ciel, je me souviens, c'était un livre... C'était trop populaire. On m'avait dit que c'était des photos, des cartes postales qui n'avaient aucun sens. J'ai toujours été attaqué. De toute façon, quand tu es écolo, tu es toujours attaqué quelque part parce que tu déranges, voilà. Et L214, c'est intéressant de voir comme le point Valeur Actuelle a repris ces conneries de financement, comme si les boîtes de viande industrielle, la viande chimique pouvait remplacer un jour la viande. C'est inimaginable. Alors moi, il se trouve que j'ai une fondation et que quand on a une fondation, il faut la faire vivre. Et donc, on travaille avec des mécènes qui ne sont pas toujours... Non, qui sont toujours, je pense, sincères. Voilà. Je pense qu'on peut être un banquier et être sincère. Je pense qu'on peut... Voilà, il n'y a pas d'un côté les très gentils écolos, puis d'un côté les très méchants capitalistes. Voilà, on essaye de travailler ensemble. Il y a quand même des écolos sacrés cons, hein, non ? Je suis bien d'accord avec toi. Hein, voilà. Non, mais... Il y en a autant des deux côtés, quoi, je veux dire. Et même si je me sens plus proche de ces cons-là que les autres, voilà, non, mais je suis plus... C'est drôle, parce qu'au moment, c'était très fort, ces attaques de mes mécènes, ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Ouais, je pense que ça l'est beaucoup moins. Je vis avec, voilà. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est les gens avec qui je travaille. Je sens la sincérité, l'honnêteté, voilà, tout simplement. Récemment, il y a une agricultrice qui n'était pas très contente. Ouais. On a lu sa prose. Vous l'avez lu ? C'est très bien écrit, d'ailleurs. Et je ne la connais pas. Alors, j'ai essayé de la rentrer en contact avec elle. Quels étaient les reproches ? Les reproches, c'est sur l'agriculture intensive américaine que je reprochais en me disant « Nous, en France, on ne fait pas la même chose. » Voilà. Surtout qu'elle a fait un papier sur le teaser du film. Et je lui ai demandé est-ce qu'elle avait vu le film. Moi, je connais. J'aimerais qu'elle me réponde. Non, mais c'était assez étonnamment. J'accepte ça. Je comprends que quand tu es paysan aujourd'hui, que tu gagnes pas bien ta vie. Il faut savoir que deux tiers des paysans gagnent pas le SMIC, qui travaillent pas 35 heures par semaine. Voilà, c'est l'agriculture intensive dans laquelle ils sont complètement prisonniers. Les rend pas forcément heureux. Et je comprends leur colère. Donc quand le français, Artus Bertrand, l'écolo parisien se permet de critiquer leur travail, je comprends qu'il y a une certaine colère. Maintenant, il fait de l'hélicoptère à 400 euros de l'heure. Voilà, exactement. Je l'ai entendu, et réentendu. Mais il faut savoir aussi, quand je faisais de l'hélico... Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Si, on a le temps. On a le temps. Quand j'ai fait La Terre vue du ciel, c'est sûr que je ne ferais plus la même chose aujourd'hui, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a les drones. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand j'ai commencé ce travail de La Terre vue du ciel en 92, hein, je me souviens, je vois dans le journal la conférence de Rio en 92, et je me dis, j'ai envie de faire un grand travail sur la Terre. Et je suis très inspiré par mon copain Salgado, qui est un photographe brésilien formidable, qui a fait un travail sur la main de l'homme. Et je me dis, je vais essayer de faire un travail sur la beauté du monde. Et donc, je pars avec mon hélico, et c'est un travail qui a changé ma vie, quoi. Mon hélico. J'essayais péniblement de trouver les moyens, parce que je n'avais pas d'argent, hein. J'ai hypothéqué ma maison, mais je savais que c'était aussi un travail que je faisais un travail qui,
qui allait devenir une œuvre. J'avais envie de faire un travail long. Salutaire. Et le moment où tu sais que tu commences dans un travail et que tu sais que ce travail te dépasse un petit peu, tu dois aller au bout. J'avais une équipe géniale avec moi et pendant 8 ans, on a survolé le monde en essayant de comprendre un petit peu. Et c'est un travail qui a changé ma vie parce que je suis parti pour faire la beauté du monde et je suis, au bout d'un an 2000, j'étais devenu un activiste. J'étais passionné d'un livre qui s'appelle le World Watch Institute, où chaque année, il y avait un livre. À cette époque-là, il ne sortait aucun livre sur l'écologie, c'est incroyable, alors qu'aujourd'hui, il en sort 5 par semaine. Et donc, je me passionne pour la révolution verte, pour le pétrole, pour la pauvreté, pour les engrais, tout ça me passionne. Et donc, je survole le monde en essayant de raconter l'histoire du monde. Et je rencontre des scientifiques, tous les scientifiques sont inquiets déjà à ce moment-là. À ce moment-là, on ne parlait pas du tout de changement climatique. Le changement climatique est arrivé avec le film d'Al Gore. Voilà. La vérité qui dérange en 2003, 2004, 2005. Voilà. C'est à ce moment-là on a commencé vraiment à en parler. Et moi, je fais La Terre vue du ciel, je fais mon premier livre sans dire un mot sur le changement climatique. Et si je me souviens très bien, quand je fais l'exposition rue de Médicis, d'un jeune touriste allemand qui vient me voir, qui me dit « Mais est-ce que vous avez pensé aux énergies fossiles de votre hélicoptère ?» Je dis « Quoi ?» Et donc, il me raconte l'histoire. Et en effet... Voilà, je découvre ça. On n'en parlait pas. Alors peut-être que pourtant Kyoto existait, mais dans les gens que je rencontrais, on ne parlait pas de changement climatique. Je dois reconnaître. Et c'est vraiment quand Al Gore est arrivé que ça a commencé. On a commencé à beaucoup en parler. C'est là-dessus que j'ai commencé avec qu'on a fait l'émission Vue du ciel sur France 2. On a commencé à compenser le carbone. Voilà, quoi. On a vraiment pris ça à bras le corps et on a fait attention. Voilà. Donc quand on a vu Legacy. Il y a une phrase vraiment qui m'a touché au cœur. Merci. C'est la souffrance de ceux qui savent. Oui, exactement. Et je pense que Greta, elle a en elle cette souffrance de ceux qui savent. Quand on sait, on n'est plus le même. D'ailleurs, il y a un film que sort un de mes copains qui s'appelle Emmanuel Caplin, qui s'appelle « Quand on sait ». Et je crois qu'on sait, c'est-à-dire qu'on sait vraiment, qu'on y croit, on n'est plus le même. Et ce n'est pas facile de savoir. C'est beaucoup plus facile de ne pas savoir. C'est pour ça qu'on continue dans cette piste de croissance, parce qu'on ne veut pas le savoir. Et je pense que Greta, elle porte en elle, cette souffrance. L'éco-anxiété chez les jeunes ? J'en connais pas beaucoup qui soient aussi... Mais vous imaginez, quand vous avez 20 ans aujourd'hui, et que vous regardez le rapport du GIEC, vous imaginez, vous avez 20 ans, vous parlez de la 6e extinction. Vous imaginez aujourd'hui, quand on vous parle qu'en 2070, 3 milliards de gens ne pourront plus vivre à l'endroit où ils vivent à cause du réchauffement climatique. Vous imaginez de vivre avec ça? Alors bien sûr, comme personne n'est inquiet, ils ne le sont pas tant que ça, mais qu'il y ait une colère, je le comprends tout à fait. Alors là, et je serais sans doute moi aussi très en colère. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une conférence avec Nicolas Hulot. Nicolas, il parle formidablement d'écologie, il sait parler, quoi. Il avait amené un souffle. Et après, on me tend le micro et on me dit « qu'est-ce que tu veux dire ?» Et j'ai du mal. Et je dis pardon. Et là, il y a eu vraiment un moment de silence. Et j'avais dit le mot juste. Et l'autre jour, j'ai montré Legacy à ma vieille tante, qui a 92 ans. Elle n'a rien dit. Et elle m'a dit, est-ce qu'ils vont nous pardonner? C'est fort. Hein. Alors, on avait choisi au départ un titre qui était « Quand les jeunes se vengeront ». Et on l'a changé ensemble. Et il y a une question d'Internet sur mon écran à droite. Je vais te la lire. Le titre, c'est 50 ans d'utopie, mais c'est 50 ans du passé ou c'est 50 ans à venir ? Ben, c'est une bonne question. C'est bien sûr 50 ans à venir. Je pense qu'il y a un nouveau monde à inventer. Et que, est-ce qu'on va avoir la volonté ? Est-ce qu'on va avoir le courage de le faire ? C'est Al Gore qui dit est-ce qu'il savait ? Est-ce qu'ils ont été assez courageux pour tout changer ? Ou est-ce qu'ils savaient qu'ils ont laissé faire les choses ? Voilà. Qu'est-ce que les jeunes nous diront ? Tout est là, quoi. Tout est là. On écoute un petit peu Sensimilia. Et dans une de ses chansons, il dit « Heureux les simples d'esprit, aujourd'hui j'ai compris.
comment Yann Arthus Bertrand il fait pour être heureux quand il voit des catastrophes partout, quand il survole des élevages avec non, des... Mais c'est... Comment on fait pour être déjà, heureux c'est D'ailleurs, comment je fais pour être heureux D'abord, c'est un devoir d'essayer d'être heureux sur Terre. Hein. On doit tous essayer ça. C'est pas facile, parce qu'on est rattrapé par la vie, les emmerdes au quotidien. Et c'est vrai, quand tu as des petits-enfants, quand tu, comme moi, tu es passionné d'environnement, d'écologie, c'est lourd tout ça, en fin de compte. Ça travaille la nuit, ça te... Et d'avoir fait ce film Legacy m'a beaucoup... je savais pas comment m'en sortir de la fin du film. Toi, à la fin du film, j'essayais d'être honnête, de dire vraiment ce que je ressentais. Est-ce que je suis heureux? Ouais, je suis pas heureux d'en parler, en tout cas. Je suis pas heureux de dire ça. Non, je suis pas heureux de le dire, mais maintenant... c'est drôle, parce que le bonheur, c'est des moments privilégiés dans ta vie. Et quand j'étais au Kenya, par exemple, j'ai passé 3 ans avec ma femme là-bas, j'étais amoureux, ces deux petits garçons qu'elle a emmenés avec moi, dont tu as vu tout à l'heure Baptiste, mon fils. Et là, je pense que j'étais vraiment heureux à ce moment-là, parce que je vivais la vie que j'avais rêvé d'avoir, de vivre au milieu des animaux, que ma famille soit avec toutes ces familles d'animaux, on connaissait les animaux, une espèce d'harmonie incroyable, ce qui est unique au Kenya. Et ça, c'est quelque chose que je cours après, c'est de retrouver cette harmonie avec les animaux sauvages qui n'ont pas peur de toi. Quand par exemple, tu construis ta maison en bois et tu as les éléphants qui passent devant ta maison qui n'ont pas peur, tu as des hippopotames en bas qui n'ont pas peur, alors qu'ici, chez moi, à Rambouillet, dès que je sors, je vois des biches au loin, elles sont terrorisées par moi, le renard part en courant. Quoi. Cette harmonie naturelle avec l'homme a complètement disparu. Et j'étais heureux là-bas. J'étais heureux parce que d'abord, je faisais ce que je rêvais de faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que de... Il faut dire aussi que j'étais un cancre, hein, et qu'en France, à cette époque-là, j'avais décidé de passer une thèse, un doctorat sur le comportement des lions. Et j'avais appris qu'on pouvait passer un doctorat sans avoir zéro diplôme. Alors tu ne peux pas enseigner, mais j'avais un directeur de thèse, il s'appelle Pierre Pfeffer, qui était un ami, qui avait accepté que moi je le fasse en photo, que ma femme écrivait. Et je faisais un espèce de doctorat. Quoi. C'est un grand... On ne l'a pas soutenu, donc on n'a pas été au bout, mais on a travaillé pendant 3 ans sur une étude entre les lions du Masai Mara et les lions du Serengeti. Et à ce moment-là, j'ai été heureux, véritablement. Et je n'ai pas profité de ce moment. Et des moments où tu es heureux et tu ne le sais pas. C'est-à-dire, tu es bien, tu fais ce que tu as toujours rêvé de faire, tu as tout le kit de l'aventurier, tu vois, là, tu vis au milieu des animaux. Et en fin de compte, des moments malheureux, tu t'en souviens. Toujours. Mais les moments de réel bonheur, je pense qu'on n'en profite pas assez, on n'est pas là. Et c'est vraiment quelque chose que je regrette. Et maintenant, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a des moments où j'écoutais l'autre jour mon fils, mon dernier fils, qui jouait du piano. Et je lisais le journal. Et il composait et il chantait. Je me dis, mais c'est peut-être ça le bonheur, quoi, ce moment-là. Quoi. Tu es là, écouter ton fils qui fait du piano. Et c'est des moments où il faut profiter des moments de bonheur. Est-ce que je suis heureux? J'essaye, en tout cas. Voilà. Je vais prendre une question Internet tout de suite, vas-y. Qui est un petit peu piquante. Puis vas-y, après, on va revenir sur notre conversation. Normal. Yann Arthus Bertrand, l'étendard du consensuel, politiquement correct, que pense-t-il des énergies en dehors du boboïsme écologiste? Du quoi, du boboïsme écologiste. Sa version de l'énergie nucléaire, par exemple, qui est la vraie seule alternative d'énergie de masse sans dégagement de CO2 face au pétrole, alors que 0,1% des énergies vertes polluent, par exemple les panneaux solaires, les batteries électriques. Oui. Ça, c'est un truc, tu vois, que je vais essayer de... Je voudrais développer dans une émission de télévision, parce qu'aujourd'hui, on est un peu perdu dans la voiture électrique, les éoliennes, l'hydrogène. Le greenwashing. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que on ne sait pas très bien. Il y a toujours des pour et des contre. T'as une voiture électrique, oui, mais alors, les batteries, ça pollue. Construire une voiture électrique coûte plus cher, mais met plus de CO2 qu'une voiture normale. Voilà, j'aimerais savoir la vérité. Et donc, en permanence, tu as le... Alors, sur le nucléaire, par exemple, moi, j'étais très, très anti-nucléaire très longtemps, et je pense qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire est une... Voilà, c'est une des solutions pour avoir une énergie. Elle n'est pas propre.
elle n'est pas propre, mais elle est beaucoup moins polluante que des énergies fossiles. Maintenant, j'ai été à Tchernobyl 3 fois. Je sais ce que c'est dans le danger nucléaire. Il y a des déchets, mais je pense que les déchets sont beaucoup moins dangereux pour moi aujourd'hui que les pesticides qu'on met par tonne dans les champs tous les jours. Voilà. Donc ce n'est pas une réponse très, très juste, certainement, mais certainement que le nucléaire. Et d'ailleurs, il y a sur Netflix un sujet sur Bill Gates, dans la tête de Bill Gates, et le dernier épisode, c'est sur justement les petites centrales nucléaires. Je ne sais pas où est la vérité qu'il est en train de développer en disant que voilà, ça serait la solution de lutter contre le changement climatique. Les Anglais sont en train de plancher d'ailleurs sur les micro-réacteurs. C'est difficile de... Et ça, voilà, j'aimerais bien faire une émission de télévision, tu vois, on est en train d'essayer de... On va le proposer à France Télévisions. Comment... le nucléaire, voilà, quel est... Parce que paraît-il, c'est très difficile de démanteler une centrale. Ça coûte très très cher, donc on les laisse. On abandonne ça sur place, tu vois, quel est le... on ne sait pas très bien, enfin, quand... Il y a toujours un peu de secret autour du nucléaire, et j'aimerais bien que ça soit décodé un petit peu, ça, voilà. Ils ne savent pas les démanteler, par contre, ils savent faire des sarcophages. Exact. Non, mais tu vois, alors les éoliennes, il y a du béton, personne ne veut avoir des éoliennes chez lui. Les oiseaux, maintenant, moi je trouve une éolienne, c'est très beau, des éoliennes. Alors bien sûr, pas dans mon jardin, si tu veux, mais pourquoi pas d'ailleurs, à la limite, si c'est utile. Voilà, même chose pour les panneaux solaires. Il y a toujours des... Tu sais, on n'arrive pas à avoir un vrai consensus. J'aimerais bien qu'on décrypte ça, qu'on sache la vérité. Voilà. J'aimerais bien en tout cas travailler là-dessus. On va parler, on va sauter encore du coq à l'âne. Les modes d'action des écologistes, c'est bien. Quoi, les modes d'action des écologistes. Par exemple, quand on va s'enchaîner à une station de charbon, quand on... Oui, mais bien sûr, c'est bien. Je pense que chacun le fait à sa façon, d'une façon différente. Voilà, mais moi je suis... Jamais je ne critiquerai les associations écologistes, que ce soit les gens de Greenpeace ou les gens de Nicolas Hulot. Tout ça, c'est bien que ça existe, bien évidemment. On le fait d'une façon différente. Je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Quand on voit certains militants aller caillasser des bouchers... Oui, c'est pas normal. C'est ridicule. Non, ben bon, mais il y a toujours des excès. Voilà, non, je pense que c'est pas juste. Tout simplement. C'est ridicule. C'est quoi la meilleure action pour protéger la Terre? C'est de mieux consommer, de mieux voter? Non, mais d'abord... C'est déjà de prendre conscience. C'est protéger la Terre, ça ne veut rien dire. Protéger le biotope. C'est d'essayer de conserver la vie telle qu'elle est sur la Terre. Voilà. D'essayer... Il ne faut pas oublier quand même que quand t'entends Jokovici qui te dit... ou d'autres scientifiques qui disent que voilà, le climat qu'on a eu pendant 20 000 ans, il est parti, il ne reviendra jamais. C'est terrible d'entendre ça, de savoir ce climat sur lequel on s'est installé, sur lequel notre civilisation s'est bâtie. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter Et ce qui est terrible, c'est qu'on continue comme avant. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit faire, mais on fait le contraire. Comme le fumeur. Oui, un petit peu. Quand j'ai fait le film Home, on consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions. Donc, c'est un peu incohérent. Et toutes les énergies renouvelables qu'on a, il y en a énormément, se sont additionnées aux énergies fossiles, elles ne se sont pas soustraites. Donc, il y a un problème. Voilà, on est dans l'incohérence totale. Question d'internet. Et je vais finir sur l'accord de Paris. Ce que je dis dans le film qui est assez quand même flagrant, d'abord, c'est que dans l'accord de Paris, il n'y a pas le mot énergie fossile, il n'y a pas le mot pétrole, il n'y a pas le mot gaz, il n'y a pas le mot charbon, sinon les pays producteurs ne signaient pas. Tu dis, c'est pas possible. Et on doit, pour l'accord de Paris, en 2050, chaque Français devrait émettre 2 tonnes de CO2, de carbone par an. Aujourd'hui, on en émet environ 12 tonnes, 12, quoi, c'est avec ce qu'on importe. Et on n'a rien fait depuis les 5 ans qu'on vient de signer. Alors tout le monde dit ouais, alors Trump, c'est un salaud, il veut sortir. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Qu'est-ce que j'ai fait moi, en fin de compte? C'est ça qui est intéressant. C'est ce que je fais moi, c'est pas ce que fait l'autre. Et c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est faut arrêter de penser que c'est toujours l'autre qui va faire pour toi. Voilà, et quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que moi je peux faire? Je suis loin d'être parfait, mais de reconnaître que j'ai pas bien fait, c'est important. Question Internet.
Le capitalisme est-il compatible avec la décroissance? Quelle alternative lui semble envisageable? J'en sais, mais c'est tellement compliqué comme question. On vit le capitalisme, on vit tous du capitalisme ici. On le sait tous. Donc c'est le capitalisme qui fait vivre le monde en fin de compte. Changer un nouveau système, j'en sais rien. C'est des questions compliquées, ça, tu vois. T'es pas venu pour pousser un caddie, hein, ça c'est sûr. Non, mais je n'ai pas la réponse. Il y a des gens bien plus intelligents que moi qui peuvent lui répondre à tout ça. Et d'ailleurs, personne n'a la réponse, hein, sur le fond. Même les plus grands économistes qui ont eu le prix Nobel sont bien trompés là-dessus. Ça, c'est une certitude. Pour développer la conscience écologiste, mis à part regarder vos films, il y a des gens à suivre. Quels sont vos philosophes? Quels sont vos auteurs? Quels sont vos d'abord, maîtres à penser? Il y a un grand tissu associatif formidable en France. Il y a des millions de gens qui s'engagent, qui, dans le bénévolat, font des choses formidables. Et aujourd'hui, l'écologie, elle est forcément humaniste. Je crois que c'est une écologie qui s'occupe des autres. Parce qu'en fin de compte, d'avoir cette conscience amoureuse de la vie, tout simplement, ça concerne les animaux, les plantes, ça concerne aussi les gens. Et sans doute que les écolos ont peut-être oublié ça, que d'abord, d'aimer... d'être écolo, c'est bien sûr d'aimer les animaux, d'aimer les arbres, mais c'est aussi d'aimer les gens, quoi, quelque part. Et il y a tellement de gens qui font des choses formidables, des gens qui s'engagent, et bien c'est ces gens-là qu'il faut suivre. Il y en a, on a toujours autour de soi, tu as des gens qui font des choses pour les autres, et c'est vachement important. Et moi, je suis en grande admiration devant tous ces gens qui, d'une façon bénévole, sont être interrogés chez toi, de passer devant une caméra, qui font des choses tous les jours, au quotidien, sans en parler. Et moi, j'ai ma vieille tante qui a 102 ans, qui a une maison de retraite, que j'adore, qui est une bonne sœur, formidable, 102 ans, lisant La Croix tous les jours, décryptant La Croix tous les jours, le journal La Croix, très intelligente. Et quand je vais la voir, là, il n'y a pas très longtemps, je vais la voir dans sa maison de retraite. C'est pas rigolo, les maisons de retraite, hein. Ça sent le pipi, il y a des tas de couches dans les couloirs, t'entends les gens hurler quand Alzheimer, il n'y a pas que ça. Mais quand même, quand tu montes l'escalier, c'est pas... Voilà. Et je vais la voir et j'ouvre la porte et elle m'a accueilli avec un grand sourire. Je lui dis, mais comment tu fais dès que je viens pour avoir ce si grand sourire? Et elle me répond tac au tac, tout de suite. Mais Yann, c'est pas difficile. Je pense pas à moi, je pense aux autres. Et si tu veux... C'est quelque chose. Moi, j'étais pas du tout comme ça très longtemps. Aujourd'hui, j'essaye de regarder beaucoup plus les autres que de me regarder le nombril. Et ça a changé ma perception même de l'écologie. J'ai beaucoup plus de bienveillance contre même les gens qui font des choses que je n'aime pas. J'accepte. Et c'est comme ça. Je pense qu'il faut aimer les gens qui ne t'aiment pas. C'est complètement con ce que je dis, mais quelque part, il faut savoir aimer les gens qui ne t'aiment pas et savoir aimer les gens qui ne sont pas exactement comme toi, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils ne sont pas faits comme toi, en fin de compte, d'avoir fait le film Human, on l'a bien montré. Et c'est quelque chose, et c'est pour ça que je finis le film sur l'amour et sur la bienveillance. Je pense que c'est ça qui nous fera changer l'espoir, quoi. Parce qu'on est, on est tous avec cette espèce d'empathie, cet amour incroyable pour tes parents. Regarde les enfants. Et après, on perd ce côté d'envie des autres. Voilà. D'aimer et d'être aimé, quoi. Ça va ensemble, tout ça. On va sauter encore du coq à l'âne. C'est difficile de sauter du coq à l'âne avec toi. Hein. Pourquoi? Parce que c'est chargé, quand même. Mais c'est émouvant d'en parler. Même moi, maintenant, tu vois. Bon, compliqué, là. Ouais. Après ton film... Il y avait des pubs que pour les bagnoles. C'est vrai. Hein. Mais le greenwashing. Alors, est-ce que tu n'as pas l'impression, de temps en temps, d'être instrumentalisé par une industrie qui utilise Yann Arthus-Bertrand comme une marque pour se dédouaner de choses comme ça? Je me fais l'avocat du diable. Mais d'accord, bien sûr, tu as raison. D'abord... La publicité dans le film Legacy, moi j'avais demandé qu'on l'enlève. Tu vois, j'avais dit, est-ce qu'on pourrait pas? Mais c'est une chaîne commerciale, il fallait accepter. Il n'y a pas de moment où j'ai... Voilà, donc je l'ai accepté. Mais je sais pas, le gars qui dirige une usine de bagnoles, qui a 50 000 mecs à payer tous les jours, qui doit vendre des bagnoles, voilà, son rôle, son devoir,
d'essayer de protéger de l'emploi, l'emploi des gens. Donc ce n'est pas du greenwashing. Je suis plus là-dedans. Je suis plus dans ce côté, voilà, le méchant capitaliste et le gentil ouvrier. C'est autre chose. Non, mais bien sûr qu'il y a du cynisme, du scepticisme. C'est beaucoup de gens, d'accord, faut l'accepter. Mais il n'y a pas que ça. En termes d'investissement responsable, est-ce que toi, de ton côté, quand tu produis des films, tu te demandes des banques, par exemple, qui n'ont pas d'investissement dans les hydrocarbures ou qui ne vont pas faire de déforestation en Amazonie ou qui n'ont pas d'action dans l'huile de palme ou qui ne s'amusent pas à taper avec des pelleteuses sur les orang-outans? Nous, on a eu... Moi, j'ai fait un projet comme partenaire qui était la BNP. Voilà, donc on a longtemps été en conflit et on se bagarre. Et d'ailleurs, dans la fondation Cool Planet, on est toujours... On dénonce ces choses-là, on dénonce. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des partenaires qu'on ne va pas dire... Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable conscience de beaucoup, beaucoup de gens. Je pense que les banques françaises sont de loin... sont pas les pires. Voilà, tu vois que tu lèves les sourcils. Ce qu'on dit dans le film est très juste. C'est qu'aujourd'hui, le pétrole, c'est le sang de l'économie. Et donc, toutes les banques dépendent du pétrole, c'est évident. Parce que c'est le plus gros business du monde. Les banques dépendent du pétrole et peut-être aussi un peu des pauvres. Quand on parle d'écologie, souvent on nous objecte, oulala, les Khmers verts, la dictature verte, vous ne rendez pas compte, vous imposez, vous voulez nous imposer, on va perdre nos libertés avec l'écologie. Tu préfères perdre tes libertés et arriver à vivre un peu plus ? Non mais... Tu vois les questions que tu me poses, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Je t'ai dit, t'es pas venu pour pousser un caddie. Hein. Il y a une époque où on était beaucoup plus attaqué qu'aujourd'hui. Je me dis l'époque d'Allègre, par exemple, il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est le climat scepticisme. Encore aujourd'hui, il y a très peu de gens qui nient le. Quoique, après mon film, j'ai comme reçu une trentaine de mails qui montrent que le réchauffement climatique a toujours existé, c'est dans l'air du temps, que l'homme n'est pas responsable, blabla. Il y a toujours des gens qui te répondent ça, comme il y a des gens aussi qui te disent que l'homme, que la Terre n'a pas été faite en 4 milliards d'années, mais qu'elle a été faite en 9 jours. Hein, c'est des créationnistes. Je reçois des mails encore là-dessus, encore aujourd'hui. Donc voilà, donc, dès que tu fais un film sur l'environnement, que tu parles d'une longue époque, voilà, il y a une tendance, il y a une presse actuelle, c'est vrai, il y a une presse de droite qui est souvent... pas très maline là-dessus, et qui est ceux qui attaquent Greta, par exemple. Elle est manipulée, il y a des lobbies derrière. On sait bien que c'est ridicule, tout ça. – Tu parles de Laurent Alexandre, là ?– Non, mais... non, je parle de personne. Trop facile. – Quand on voit je vais pas dire une gamine, mais une adolescente, s'en prendre plein la tête. – Oui, mais tu sais... À la limite de la psychiatriser. Toi, je vais sans te manquer de respect, mais le vieil ours qui a bourlingué, qui a vu la merde, ça te fait quoi de d'abord, voir d'abord, je n'ai pas vu la merde. Quand tu survoles quand même une... J'ai vu un monde d'une beauté incroyable. D'abord, quand on survole le monde est toujours aussi beau. Les gens me disent toujours, oui, bien sûr, tu vois des déforestations, mais tu vois aussi des énormes forêts. Bien sûr, tu vois. En fin de compte, c'est les photos satellites qui te montrent vraiment ce qui est en train de se passer. Quand tu survoles la Terre, c'est toujours une œuvre d'art. Hein. Il faut le dire, la mer pleine de plastique, tu ne la vois pas. Les plages sont toujours aussi belles. Bien sûr, tu vas dans des endroits quelquefois avec des ouragans, tremblements de terre. Mais en gros, la Terre est toujours une œuvre d'art incroyable. Quelle était la question déjà au départ ? Quand Greta se fait charger. Oui, Greta, elle a cette. Elle a pris conscience. Elle a cette maladie qu'il n'y a pas d'un côté. Elle est Asperger, donc si tu veux, il n'y a pas de milieu. Il y a le bon et le mauvais. Moi, j'en connais quelques-uns Asperger et je sais ça. Et donc, il y a le bien, il y a la banalité du mal et la banalité du bien. Elle a choisi le bien, et donc le mal, elle ne le supporte pas. Et comme le mal, c'est le suicide collectif de l'humanité, toute sa force, toute son énergie,
Elle le met au service d'essayer de sauver le monde, comme elle peut le faire, une fille de 16 ans. Et moi, ce qui m'a vachement impressionné, c'est que quand on a sorti ce film Woman, qui est mon dernier film, qui va d'ailleurs être le Journée de la Femme sur la 5, qui est un film que j'adore, on a fait 2000 interviews dans le monde, et j'allais le présenter à New York. Tu sais, quand tu fais un film, eh bien, tu vas deux jours à Montréal, une journée à Rio, quoi, c'est ridicule. New York aux Nations Unies ? Oui, non, New York, non, pas aux Nations Unies. Il y avait une première du film qui avait été organisée, comme font les distributeurs. Quand tu fais un film, tu es distributeur dans le monde entier, qui réalise des premières, et tu avales, et tu y vas, et tu fais des photos sur un tapis rouge, quoi, le grand classique. Et je vais à New York présenter le film, et je l'avais pris un petit bouquin sur les discours de Greta. Et en arrivant à New York, je me dis, mais elle a raison, quoi. Et à 73 ans, c'est les dernières, je m'aperçois que je ne dois pas aller en avion à New York présenter un film deux jours. On peut le faire en vidéoconférence, c'était avant le... Et elle avait entièrement raison. Comme quoi, et j'ai dit à ma voisine, Anastasia Mikova, qui est ma co-réalisatrice, c'est la dernière fois que je prends l'avion. Elle me dit, mais comment tu vas faire ? Moi, d'abord, j'ai 74 ans, j'ai pris l'avion tellement, je suis le premier. Si vraiment il y en a un qui doit arrêter, moi le premier. Comme quoi, cette fille, elle m'a transpercé le cœur par son discours, par son honnêteté, et elle avait raison. Et elle a raison. Alors après, on s'est foutu de ma gueule, parce que bon, voilà. C'est qui, pas grave. Qui ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Le président d'Air France de l'époque. Yann Arthus-Bertrand découvre quand il prend l'avion, il pollue. Ouais, peut-être que je l'avais. Je croyais qu'on pensait que c'était suffisant, qu'on pensait le carbone d'une façon. Nous, on compense le carbone de façon solidaire. Et ce qu'on fait avec la Fondation, c'est bien, puisqu'on donne, on permet à des gens qui n'ont pas d'énergie de faire de l'énergie avec des réservoirs de biogaz, avec de la merde d'animaux et des déchets agricoles. Arrive à compenser le carbone et à des familles indiennes de l'énergie, ce qui empêche la déforestation et qui permet aux enfants d'aller à l'école. On en fait des milliers et je suis très fier de ce programme. Voilà. Là, je vais te lire un commentaire qui est sur notre chat, oui. Qui dit « Le jour où ces boomers comprendront que le seul discours audible de leur part, c'est des plates excuses, ils auront fait un grand pas. » Mais ils ont raison. Il a raison. Il a raison, mais on ne savait pas. Voilà, il a raison, que je vous dise d'autre. Oui, bien sûr. Et je vous présente mes plates excuses, et ça sert à quoi ? Ouais. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on change tous, toi, moi, ensemble. Celui qui m'a envoyé ce... Bien sûr, il a raison, entièrement. Raphaël, quand tu as raison. Quand Camille Etienne est devant le MEDEF, oui, ouais. et dit « Bon, alors les gars, il va falloir moins travailler ». Et que tout le monde rigole dans la salle. Oui, mais... Et que la nana, censée être modératrice, lui dit « Bon, écoute, ici, t'es au MEDEF. » Ah oui, mais elle était très courageuse. Beaucoup d'admiration pour elle. Voilà. Et Camille, que je connais un petit peu. Et on a besoin d'elle. Voilà. Mais il y a une espèce de cynisme, scepticisme, tu vois, qui est dans ce milieu d'affaires. C'est tellement plus facile de se moquer d'elle que de dire « Elle a raison, qu'est-ce que je vais changer ?» Tellement plus facile de dire bah, « On va continuer comme avant. » C'est plus facile de pas y croire. Hein. Quand tu ne crois pas, tu continues la vie au quotidien, tu manges de la viande, tu prends ta bagnole, tu prends l'avion, c'est facile, puisque tu n'as pas conscience. Mais quand le jour où tu as conscience, c'est plus pareil. C'est difficile de le faire. Est-ce qu'on va être obligé de passer par un événement en France difficile pour que les gens prennent réellement conscience des choses, genre une grosse canicule ? Tu me poses toujours des questions, mais je ne suis pas un futurologue. Moi, je vis au présent. Je crois que nous tous ici, toi comme moi, le métier qu'on fait, on a le devoir d'informer. Et c'est comme ça que ça changera. C'est tout. Tout simplement, c'est une mission qu'on doit avoir. Et on doit tous être capables de faire quelque chose. Et je répète, qu'on soit boulanger, qu'on soit... On peut tous changer notre façon de vivre. À nous d'y réfléchir. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Je reviens sur le Covid, qui est peut-être une réaction de la Terre face à la mondialisation galopante. T'es prêt à sacrifier ta dose de vaccin pour un jeune ? Oh, mais bien sûr. Attends, moi, j'ai fait ma vie à 74 ans, c'est bon. Ah oui, complètement. Ah ben, moi, complètement. Ah ben, ça va. J'ai vécu. C'est normal de mourir à mon âge. Ça va. Ah non, mais complètement. Alors là, ça m'emmerderait. Mais complètement, bien sûr. Et heureusement. Et je pense qu'on n'est pas les seuls, qu'on est beaucoup, beaucoup dans mon cas. Vous êtes beaucoup dans votre cas. Ah ouais, je pense qu'on serait capable, bien sûr, bien évidemment. Quand on paralyse toute l'économie pour, au départ... une bande de vieux, c'est quoi ? C'est protéger un socle électoral ? Non, mais non, mais là, ça, non, mais non, mais non. Je pense que
un gouvernement ne peut pas se permettre de sacrifier. D'abord, je ne pense pas que c'est sacrifier des vieux, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont malades aussi. Je ne connais pas très bien tout ça. Il y a des jeunes malades. Des jeunes malades. Et on voit bien aujourd'hui comme le virus bouge, l'inquiétude qu'il y a, et on n'est pas sorti de l'emmerde, des emmerdes. C'est évident. Donc je ne fais aucune projection là-dessus. Non, je pense que c'est normal de protéger nos vieux, bien évidemment. Parce qu'on les aime. Quelle analyse Yann Arthus-Bertrand il a sur... Attends, je vais faire une question simple. Je suis beaucoup plus con que tu crois. tu crois toujours que je vais... On n'a pas encore remarqué. Ça tombe bien. Macron, pour toi, c'est quoi? C'est une question conne, ça, non? Je pense que c'est une question... Non. Je pense que c'est quelqu'un de brillant qui essaye de faire le maximum avec ce qu'il est. Sans une culture très écolo, malheureusement. Et ça lui manque, c'est dommage, parce qu'il aurait pu, sur les pesticides par exemple, il aurait pu devenir une espèce de quelqu'un sur la chasse, il n'a pas été assez courageux. Mais je pense qu'il fait le job, je pense qu'il fait le maximum et qu'il essaye un maximum de sauver des vies, de tenir le pays à bout de bras. Et j'aimerais pas être à sa place. Donc c'est tout ce que je dis, je n'ai absolument aucune animosité contre lui. Et alors le problème qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas confiance dans les gens qui nous dirigent. Moi, j'ai assez confiance. Parce que t'es vieux. Ouais, peut-être que je suis vieux, mais t'as raison. Je pense que il y a pas le malhonnêteté là-dedans. Il y a simplement l'envie de. Je crois que le poste où il est, quand même. J'espère que l'ego est parti, quoi, qu'il a pris conscience de sa responsabilité et ce qu'il doit faire. Qu'il essaye de faire le maximum. Je suis pas dans. On va repartir sur l'écologie. Dans Legacy, au départ, personne t'a invité. Au départ, personne t'a invité pour Legacy. T'as eu du mal à diffuser ton film? Non, mais c'est-à-dire que... Aujourd'hui, j'essaye de dire la vérité. De regarder la vérité en face, sans avoir peur et sans chaque fois se cacher derrière des espoirs. Parce qu'en permanence, oui, mais la conscience est là. Oui, mais il y a l'hydrogène. Oui, mais il y a la tech. Oui, mais alors, on va y aller, il y a les smart cities. On est dans un espèce de monde où on s'auto-persuade, on est piqué au génie humain. On est certain qu'on va s'en sortir. Donc on continue comme avant. Et donc ce côté un peu Pablo Servigne, tu vois, collapsologue, parce que Pablo Servigne, il a cette qualité incroyable, c'est qu'il est tellement charmant, tellement charmeur, qu'il te parle... – Il n'est pas charmeur, il est doux. – Oui, voilà, il est doux. Il te dit des choses épouvantables sur la fin du monde et tu sors de là avec la pêche, quoi. C'est quand même... oui, mais quand même, tu vois. Alors que moi, bon, j'ai peut-être... Je sais pas ce charme qu'il a formidable... Et moi, je parle de la fin du monde, quoi. Je veux dire, c'est la fin du film, tu vois bien ce que je dis. Et c'est pas marrant à dire, ça, tu veux. Et qui a envie d'entendre ça? Quelle chaîne a envie de... Et il n'y a qu'une chaîne qui l'a accepté. Je me suis appelé France Télévisions, TF1, Arte. Et c'est la 6 qui m'a dit, ouais, génial, vas-y, on y va. Et ils m'ont vraiment fait une vraie... Alors, c'est une chaîne commerciale hein, qui m'ont fait confiance. Et ce qui était très étonnant que j'ai trouvé chez M6, c'est qu'il y avait cette envie... de faire un film important, tu vois, qui sentait que... Et ils m'ont laissé une complète liberté. Je dois reconnaître que je ne suis pas très facile et que personne... c'est difficile de me faire changer d'avis. Mais, ils m'ont fait changer d'avis sur une chose. Et je le dis, à un moment, quand il y avait ces élevages de veaux énormes, j'avais envie de dire, c'est une éternelle Shoah. Et en fin de compte, il m'a dit, tu ne peux pas dire ça. Et ça va faire un problème. Et il y a un livre formidable en Angleterre qui s'appelle L'éternel Treblinka sur les abattoirs, fait d'ailleurs par un historien juif. Et donc je l'ai enlevé. Mais sur tout le film, ils m'ont laissé dire ce que je voulais. Et ils l'ont assumé. Et c'est pas souvent en télévision qu'on te laisse assumer comme ça jusqu'au bout parce que tu as tes auditeurs. Voilà. Donc, je savais que de toute façon, quand tu... c'est un film qui était très long, on a dépensé beaucoup plus d'argent qu'on croyait. C'est un film qui a coûté 500 000 euros, ce qui est déjà beaucoup pour un film d'archives. Et on avait un mécène qui était Omega, j'avais peur de... Et ils m'ont laissé faire complètement le film. Et bien sûr, il y a M6 qui a financé un petit peu.
Mais surtout, c'est un film où on ne s'en sortait pas, parce que les histoires que je racontais ne fonctionnaient pas. Et c'est, voilà, et quand Franck Courchamp, qui est arrivé, qui était un scientifique formidable, a commencé à écrire l'histoire ensemble, voilà, tout s'est débloqué. Et puis il y avait des tonnes d'archives, il fallait qu'on... Alors c'est un film aussi qu'on a fait à l'économie. Il faut savoir que Home, ça coûtait 20 fois plus cher. 20 fois plus cher. Donc on a utilisé toutes les archives qu'on avait. On a envoyé des drones... dans le monde entier, on a téléphoné à des dronistes qui ont fait les images pour nous, les images des sables bitumineux, les images de forêts au Brésil brûlées, les images d'usines de carrières de charbon en Pologne, les images d'usines de cochons en Chine ont été tournées par des locaux. Voilà, c'est une nouvelle façon de travailler aussi aujourd'hui. C'est difficile de demander à des locaux chinois d'aller... filmer des élevages de cochons ou demander à des Américains de survoler des usines à vaches ? Il y a beaucoup d'ONG chinoises, écolo. En Chine, il y a le pire et le meilleur. Ils ont vécu des choses terribles. Et alors, c'est un pays qui n'est pas démocratique, mais quand même avec une vraie liberté de parole sur différentes choses. On ne peut pas tout critiquer, mais en tout cas, voilà, on a beaucoup travaillé avec des ONG chinoises et américaines et brésiliennes. Voilà. Il y a toujours il y a beaucoup d'images aussi, les images des usines de veaux qui sont absolument invraisemblables. Parce que ce que les gens ne savent pas, et moi, c'est quand tu veux devenir végétarien, c'est que tu te dis, quand tu commences à creuser là-dedans, tu te dis, il faut devenir végane. Parce que par exemple, tu dis on mange plus de viande, on va manger du fromage. Alors le fromage, bien sûr, il est fait par des paysans qui font le fromage chez eux, avec leur laitière, c'est génial. Mais quand tu vois sur des fermes gigantesques de milliers de vaches, comme il y a beaucoup aux États-Unis, il n'y en a pas en France encore, mais c'est comme une tendance quand même. Parce que le prix du lait est tellement bas qu'il faut en avoir beaucoup pour gagner de l'argent. C'est une honte ça. Comment est-ce qu'en France, on n'est pas capable de payer le travail correctement des paysans? Mais c'est une honte. Aujourd'hui, le prix du lait, il est payé, c'était les chiffres pendant le Covid, c'était 0,30 euros payé le litre, alors que ça leur revient 0,40. T'as des paysans qui se suicident toutes les semaines. C'est honteux comme on n'est pas capable. Il faut acheter d'ailleurs, il y a une association qui s'appelle C'est qui le patron, voilà, qui vend du lait, le fromage au bon prix. Et... qu'est-ce que c'est que d'être vache laitière aujourd'hui ? Une Holstein, une vache, une race française, une vache canadienne qui n'existait pas en France dans les années 50. Hein. La vache Holstein est arrivée en France, c'est une vache qui a été construite pour faire du lait avec un pis gigantesque. Le reste, il n'y a pas de muscles, il n'y a rien d'autre. Donc ces vaches, elles vont vivre 4-5 ans, 3-4 ans, je ne sais pas exactement. Elles doivent faire un veau tous les ans. C'est un petit veau mâle, il va partir à l'abattoir. Un petit veau femelle, il va être élevé dans ces fameux cases qu'on voit dans le film. Tu dis, mais c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Et cette pauvre vache, elle va vivre 3-4 ans, 5 ans. Et après, elle partira à l'abattoir parce qu'elle a des problèmes de pied, elle fait trop de lait, elle doit être rentable. Donc il y a un système où les paysans sont prisonniers de la rentabilité. C'est pas normal, quoi. Enfin, qu'une vache vive jusqu'à une dizaine d'années, il y a sûrement des gens qui le font. Il y a sûrement des gens qui m'écoutent, il faut dire, mais moi, mes vaches, oui, sûrement. Mais en général, voilà, la viande que vous mangez chez les McDo, c'est de la vache laitière les trois quarts du temps. Et tu dis, ben voilà. T'es végétarien, mais tu devrais être végane, quoi, quelque part, et tu te dis merde, quoi, tu n'es pas végane. Voilà. Comment, quand on fait un film comme le tien, comment on décide de la conclusion et comment on décide de finir face cam? C'était. Oui, alors là, c'est un long chemin d'essayer des fins. Parce que quand tu fais des films écolos, la fin tourne des catastrophes, évidemment. Tu parles d'avenir. Donc, il fallait qu'on revienne à l'humain. Et ce film Human que j'ai fait, que je conseille à beaucoup de gens de regarder, qui est gratuit sur YouTube, ça fait 3h15, qui est un film très long. Je peux raconter un peu l'histoire, on a le temps. T'as le temps, vas-y. On a le temps. Alors, tu veux un petit coup à boire? Non. Ouais, je veux bien un petit coup d'eau. Non, je veux bien un petit coup de flotte. Non, mais c'est bon, t'embête pas, on peut attendre 2 secondes. Un jour, je suis tombé en panne d'hélico. Sur le Paris, je faisais le Paris-Dakar, imaginez, toi, à l'époque où Paris-Dakar n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, et en reconnaissance, on est tombé en panne avec Thierry Sabine dans un petit village. Feu Thierry Sabine, voilà. Et je suis tombé dans un tout petit village où je suis resté 3 jours avec des gens qui m'ont raconté leur vie pendant 3 jours. Tout ce qu'ils m'ont dit, je le savais déjà. Je savais que, par exemple, quand on vit en Afrique et tu n'as pas de bras, mais tu fais beaucoup d'enfants pour avoir de l'énergie. L'énergie que tu as, c'est d'abord tes enfants. Je savais que la météo, tu la regardes parce que
si tu ne peux pas cultiver, c'est ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, ils sont près d'un milliard dans le monde, que s'il y a une mauvaise météo, tu ne peux pas faire pousser tes récoltes et donc tu vas mourir de faim, tu vas crever de faim. Tu savais que quand tu es malade et que la maladie te fait peur, parce que quand tu es malade, tu ne peux pas travailler, tes enfants auront faim. Tout ça, je le savais, mais quand quelqu'un te le dit en te regardant dans les yeux, droit, et ça te transperce le cœur, et tu d'un seul coup, tu deviens moins con. Tout ce que tu savais, c'est pas là, c'est là tout ça. Et donc, j'ai décidé de faire ce travail qui s'appelait 6 milliards d'autres, dont Baptiste, que tu as vu tout à l'heure, mon fils, avait commencé à travailler. Je me suis dit, dans mon travail, il manque la parole de l'homme. Parler d'écologie, c'est bien, mais il faut aussi parler des gens. Quoi. C'est la seule façon de parler d'écologie humaniste. Et donc, on avait envoyé des jeunes, une petite caméra, qui sont partis, qui ont fait 6000 interviews en demandant un questionnaire qu'ils avaient fait ensemble. Ils avaient vraiment, tu vois, c'est tous des jeunes qui... J'avais dirigé plus ou moins le truc, j'avais gagné pas mal d'argent avec le succès de la Terre vue du ciel. C'est quoi, pas mal? Comment? C'est combien? Oh, je ne vais pas te parler de moi, j'ai gagné. Quand tu vends 4 millions de livres, tu gagnes de l'argent, tu vois. Tu calcules 4 millions de livres, 5% de droits d'auteur, 50% qui vaut aux impôts, 50% que tu donnes à ta fondation, il te reste quand même beaucoup d'argent. Et donc, ça me permet de financer, ce projet qui s'appelait 6 milliards d'autres, qui était un nom qui a été inventé par eux, par ces jeunes-là. Voilà, ils sont partis autour du monde. On avait fait une grande exposition au Grand Palais, qui a été un énorme succès, qui était très addictif, où tu écoutais les gens parler de leur famille, de la vie, quoi. Qu'est-ce que c'est que le bonheur, est-ce qu'il y a le sens de la vie, et les gens parlaient très très bien. Et il y avait 25 heures de vidéo, et il y a des gens qui venaient 3 jours pour écouter les 25 heures de vidéo. Et un jour, j'ai voulu mélanger dans ce film Human, justement, la beauté du monde et la beauté de ces paroles de ces gens. C'est un film que j'adore. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, je ne sais pas d'où on est venu. Mais en tout cas, voilà. T'es tombé en panne en hélicoptère. Oui, mais donc comment j'ai fait ce film Human. Et en fin de compte, quand on a fini le film Legacy, la monteuse, Yann, avec qui je suis très proche, m'a dit: Yann, il faut que tu fasses à la caméra. Et comme c'est ton film, c'est toi qui parles, la seule façon, tout ce que tu vas dire en voix off, ce n'est pas écoutable. Si tu le dis. Si tu le dis face à la caméra, tu vas amener l'émotion et ça passera beaucoup mieux que celui sur les images de catastrophe. Et elle avait raison. Et en même temps, j'ai commencé à faire des essais et j'ai été très inspiré par le film de Netflix sur Attenborough, qui est le gars qui fait l'émission Wildlife, qui a fait un film sur sa vie et qui est face à la caméra tout le temps. Et à un moment, je me suis dit, il faut y aller. Et c'est beaucoup plus compliqué que tu crois de parler face à la caméra et de parler de tes petits-enfants, de parler de la vie autour de toi qui disparaît. Et c'est quelque chose qui n'était pas facile à faire. Mais on s'est aperçu. Puis on a mis les images de Human, de ces gens qu'on avait filmés autour du monde, qui ont parlé d'humanité, quoi, parlé de l'essentiel. Je vais te poser 2 questions très personnelles. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Oui, C'est sympa de dire ça. Alors, vous voyez comment il fait, le mec, il te pose une question. Et donc, si tu réponds pas, t'as l'air un mec d'un con prétentieux qui veut pas répondre aux questions. Vas-y, bon coup, ça t'évitera de dire des conneries. Je parle à la caméra directement, parce que vas-y. Est-ce que tu es croyant? Là, je peux répondre alors très facilement. Je ne suis pas croyant, mais par contre, je crois au bien et au mal. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose. Et je pense que les valeurs qui sont portées dans toutes les religions au départ, du bien ou du mal, voilà, font partie c'est comme ça qu'une civilisation marche, quoi, en allant plutôt vers le bien. Et en ce moment, nous vivons dans une espèce de banalité du mal. On accepte le mal autour de nous et voilà, il ne faudrait pas l'accepter. Est-ce que tu as fait une psychothérapie ? Non, j'ai une femme qui est psychothérapeute et qui m'a toujours dit que je devrais en faire une, mais... Non, je n'ai pas très envie. Pourquoi ? J'ai l'impression de me connaître. Je n'ai pas envie. Ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur, non. Si je te dis le mot résilience, ça te fait penser à quoi ? Moi, je vais te le dire, à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser... aux femmes... Yézidi,
que j'ai interrogé, que nous avons interrogé sur Woman, et qui expliquent ce qu'elles ont vécu. Ce qu'elles ont vécu quand elles ont été vendues, violées, des enfants violés, qu'elles en parlent avec résilience. Voilà. Cette espèce de force incroyable qu'ont les femmes pour supporter cette douleur et de continuer à vivre. Quand tu vas chez le docteur Mukwege au Congo, ces femmes qui sont violées avec des coups de couteau, hein, et qu'elles te racontent ça, et qu'après tu les vois dans le film, moi on ne l'a pas mis dans le film, mais Anastasia en train de danser, de rigoler entre elles après ce qu'elles ont vécu. C'est ça la résilience. Peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas la résilience c'est ça pour moi. Ce courage incroyable qu'ont les femmes après ces milliers de générations de violence, d'accepter de la douleur, de vivre avec. Beaucoup d'admiration. Question Internet, je prends la première qui vient. Pourquoi certains n'ont pas de chance alors ? Pourquoi certains n'ont pas de chance ? Je pense que... Alors tu vois, par exemple, sur quand j'ai fait Human, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est les parents d'enfants handicapés. C'est lourd hein, comme interview aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est pas de chance. En même temps, il y a de l'amour incroyable. C'est une chance. Hein. Peut-être. Mais oui, tu as raison. C'est pas ce que je voulais dire. Je regrette. Mais tu perds une liberté. Quoi. Tu perds une liberté. Et dans le film Woman. Cette femme qui parle de son enfant autiste, et elle me dit, il ne me regarde jamais, il ne m'embrasse pas, il n'a jamais un geste de tendresse vers moi, et pourtant je l'aime. Tu vois, et voilà, je pense que d'avoir un enfant handicapé, et dans, je me souviens d'un père qui parlait de son enfant autiste, quand il allait à une fête de Noël, on lui reprochait, on disait, quand on a un enfant comme ça, on ne sort pas dehors avec lui, on ne va pas au restaurant, et il disait un truc terrible, terrible, terrible. Il disait à un moment, j'attends la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Comment tu vois ta propre fin de vie? Je l'ai beaucoup raconté, cette histoire, mais je suis désolé de la raconter encore une fois. Quand on était à Madagascar et qu'on a photographié sur Human, on a fait des interviews d'Human, il y a une femme, dans ces interviews, qui sont toujours des questions, on pose toujours les mêmes, c'est des interviews qui durent une heure, deux heures, et on a parlé avec une femme qui s'est agriculteur de subsistance, toujours pareil, des gens extrêmement pauvres, ça ne pas lire, pas écrire. On est là avec nos caméras, on s'installe, et on demande à ces gens de raconter leur vie. Et en fin de compte, ils n'ont jamais parlé devant une caméra, ils ne comprennent même pas ce qu'on va faire des images, mais en même temps, on est là, on leur parle, on passe des moments avec eux. Et il y a une question qu'on pose aux gens, quel est votre plus grand rêve? Et cette femme, plus grand rêve, elle commence à parler de la mort de ses enfants, parce que quand tu fais beaucoup d'enfants, tu as beaucoup d'enfants qui meurent, donc elle parle, voudrait que mes enfants vivent. Elle avait un bébé qui était malade. Elle veut l'éducation pour ses enfants parce que partout où tu vas, les mères, leur principal objectif, c'est que leurs enfants réussissent leur vie et soient meilleurs qu'eux. Ça, c'est vraiment incroyable, l'espèce de volonté incroyable des femmes que leurs enfants vivent une meilleure vie qu'elles. Et on lui dit, mais non, mais quelque chose de plus fort, quel est ton plus grand rêve? Et alors elle réfléchit, elle parle avec sa copine hein, dans le dialecte malgache. Je ne sais pas si elle parlait, je ne sais même pas ce qu'elle parlait, enfin... Et je les entends rigoler. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit un truc à laquelle je pense tous les jours. J'aimerais mourir avec le sourire. Ça veut dire quoi? C'est formidable, l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tous mourir. C'est écrit. Qu'il faut accepter sa mort, ce qui n'est pas facile. Mais qu'il faut régler ses preuves. Avoir vu la vie qu'on a envie d'avoir. Quoi. Pas d'être fier de sa vie, ça ne veut rien dire. Mais d'être content de la vie qu'on a eue. Et d'accepter ses erreurs,
accepter ce qu'on a fait pas bien, de demander pardon, j'en sais rien. Mais en tout cas, d'accepter la vie qu'on a eue et de dire merci à la vie. Et ça, c'est vachement important. Et j'y pense tous les jours. Et d'ailleurs, la fin d'Human, c'est quelqu'un qui dit « J'aimerais que mes derniers mots soient merci, merci à la vie. » Bon, on change un peu de sujet, là, parce que ça commence à devenir un peu lourd. Mais tu sais, de parler de l'amour, de parler, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça, en fin de compte ? Alors, question, qui n'est pas une question Internet, qui est une question de mon ami sur la gauche, que je balance. Comment, en tant qu'homme, tu fais un film sur les femmes ? Quelle place tu as par rapport à une femme qui pourrait le faire ? Alors, comment tu leur laisses la place alors, et le choix que tu coupes pour le documentaire ? Alors, tiens, mais tu veux pas la lire ta question ? Alors, je vais te répondre à toi, parce que toi qui as posé la question. C'est toi que je réponds. Alors, c'est très simple. Je décide de faire un film sur les femmes et je m'aperçois que je ne peux pas faire un film sur les femmes tout seul. Donc, je demande à Anastasia Mikova, avec qui j'ai beaucoup travaillé, de réaliser le film avec moi. Elle choisit son équipe avec moi. Et je m'aperçois très vite que je ne suis pas exclu du film, ce n'est pas le mot, mais que c'est un film fait par des femmes et que je ne dirais pas fermer ma gueule, ce n'est pas le mot, mais que je dois laisser la liberté à ces femmes de faire le film qu'elles ont envie. Ce n'est pas toujours facile, je suis quelqu'un d'assez autoritaire. Et en fin de compte, je crois que le film est très bon parce qu'il a été fait par des femmes. Par exemple, toi, à un moment, elle me dit qu'il faut parler des règles. Bon, moi, oui, pourquoi pas, mais je me pose un peu la question. Et je m'aperçois que toutes les femmes à qui on parle, te parlent quand les règles arrivent, de l'importance que ça a dans leur vie. Et moi, je n'avais absolument pas compris ça. Les femmes qui saignent tous les mois, c'est la douleur, c'est compliqué, c'est... Voilà. Et il fallait que des femmes me parlent de ça. Par exemple, la naissance de la sexualité, quand tu es une jeune adolescente, que les hommes te regardent d'une façon différente, comment est-ce que ça change à toi ? Moi, je suis incapable de comprendre ça. Mais c'est... il y avait une équipe de 18 personnes. On a travaillé quand même pendant 2 ans. On était 2 mecs, on n'avait pas le pouvoir. Et à un moment, j'ai senti que je devais laisser les choses, que le film allait être bon parce que c'est des femmes qui le faisaient. Donc, ça n'a pas du tout été difficile pour moi parce que j'ai bien compris que le film serait meilleur si je laissais les femmes faire le film. Voilà. J'espère qu'on va être au César bientôt. J'espère que, voilà, qu'on va y aller. Et c'est un film formidable. Mais... je ne me dis pas que je me suis senti exclu du film, ce n'est pas vrai, mais j'ai compris qu'à un moment, il fallait que je laisse le pouvoir aux femmes de l'équipe. Voilà. Bon, je ne te dis pas que je n'ai pas décidé de beaucoup de choses. J'ai sûrement été beaucoup plus, autoritaire que je le dis maintenant, mais j'ai quand même, voilà, j'avais compris, c'était normal qu'il fallait que je laisse le pouvoir. Voilà. Mais c'est un film, je peux te dire que d'abord, c'est un film où je me suis senti femme pendant 2 ans. Parce que quand tu fais 2000 interviews de femmes, qu'elles te racontent leur vie, voilà, de leur enfance, la maternité, qu'est-ce que tu as entendu de choses formidables ? Quelle intelligence, quel bon sens ! Mais je me suis vraiment senti un mec con, toi, devant l'intelligence de toutes ces femmes, je dois reconnaître. Et certainement, je ne dis pas avec fierté, hein, que j'ai certainement pas assez... respecter les femmes de ma vie, tu vois. Et aujourd'hui, que ce soit de ma mère, que ce soit mes sœurs ou ma femme, je les vois différemment, complètement. Mais j'ai vécu pendant 2 ans dans l'intimité des femmes et ça m'a rendu moins con. Et il y a du chemin à faire, hein, je veux dire. Tu pars de loin, c'est ça ? Oui, je pars de très très loin. Moi, je voudrais qu'on parle de la moralisation de la vie politique. Ouais. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? C'est encore un bullshit, un effet de manche. Non, pas du tout, mais tu vois, quand je voyais l'histoire là, du procès Balladur dernièrement, tu vois, sur le Pakistan, je me suis dit comment... Sur Karachi. Sur Karachi. Comment il faut 18 ans ou 20 ans pour faire un procès, alors qu'un mec qui volait de mobilette, il va être jugé dans les 6 mois. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On attend que tout le monde... Je ne sais pas, tu vois, voilà. Je pense que l'homme politique, enfin bon, c'est une espèce de rêve, tu sais. Moi, j'attends les grandes âmes, les grands hommes, tu vois, les Gandhi, les Mandela. Les grandes femmes. Quoi ? Ou les grandes femmes, bien sûr. On parle des grands hommes, bien sûr. Et on peut parler des grandes femmes écolo, parce que
toutes les héroïnes, les héros de l'environnement, en parlant de Carlson, Vandana Shiva, c'est tous des femmes. Toutes les héros de l'environnement sont des femmes, jusqu'à Greta aujourd'hui. Donc voilà. Donc je. Mais si tu veux, on a un manque de confiance dans nos hommes politiques terrible. Voilà qu'on n'a pas envie de suivre et voilà d'une moralisation d'une politique bien sûr. Mais je connais pas assez bien ce monde-là. Je vois ça de très loin. Donc voilà. Je crois. Voilà. Mais cette histoire de Karachi m'a quelque chose de pas normal. Quoi, voilà. Et quand tu vois des hommes politiques qui ont été condamnés, qui sont réélus, voilà, le maire de Levallois, tu te dis, mais attends, merde, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut. J'ai rien contre ce type, hein, mais voilà, que tu sois un homme d'affaires, il n'y a pas. Mais quand tu es un homme politique et que c'est l'argent des électeurs, ben voilà, tu ne dois pas voler un centime, quoi, tu vois. Et si t'es piqué à faire ça, tu ne dois plus jamais faire de politique de ta vie. Et pourtant, ils refont la politique et ils sont réélus. Donc voilà. Ça s'appelle de la subornation de vote. Ça s'appelle. Ouais, je sais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est l'affaire du siècle ? Oui. Oui, c'est ce procès qu'on a fait à l'homme politique sur condamnation. Je dois reconnaître que je me suis assez éloigné de ça parce que j'ai pas cette. Certainement, cette haine, cette envie de vengeance que j'ai pour ma génération, voilà, que peut-être des jeunes peuvent avoir et qu'ils doivent avoir, peut-être que j'en fais partie. Et en même temps, je suis l'État, je suis les entreprises, je suis le citoyen. En moi, il y a tout ça. L'État, c'est moi. Si, on va en parler si tu veux, moi je suis très. Concerné par le fait que mon pays est le troisième vendeur d'armes au monde. Et ça, je ne l'accepte pas. Tu vois, de penser qu'aujourd'hui... Le Yémen. Voilà, le pays. On vend des armes à l'Arabie saoudite qui vont bombarder le Yémen. Ou le Yémen ou un autre pays. Aujourd'hui, dans les guerres d'aujourd'hui, il faut savoir que 80% de civils sont tués. Sur les 80%, il y a 30% d'enfants. Comment mon pays, que le pays des droits de l'homme... Le pays des ONG, le pays de la générosité, on est encore le troisième vendeur d'armes au monde. Ça, je ne l'accepte pas. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'acheter ce putain de pétrole, qui est le sang de notre économie. Et si on n'a pas ce pétrole, l'économie s'arrête, notre pays s'arrête. Donc on a besoin de cet argent. Donc on est prêt à faire n'importe quoi pour avoir ce pétrole. Mais j'imagine le type qui fabrique des missiles... voilà, dans une usine. D'ailleurs, on ne peut pas rentrer. J'ai une copine qui a fait un film qui s'appelle « Mon pays, le troisième, mon pays vend des armes ». Impossible de rentrer dans une usine d'armement, c'est strictement impossible. Et j'imagine le mec qui fabrique toute la journée des missiles et qui le soir rentre chez lui et discute avec ses enfants. Quoi. Je me dis, mais voilà, tu vois. J'ai rien à lui dire, tu vois. C'est pas moi de le juger. Est-ce que tu as suivi le mouvement des Gilets jaunes en France ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as suivi les mutilations des Gilets jaunes ? Est-ce que tu as suivi les mutilations chez les Gilets jaunes ? Le fait qu'ils se prennent des balles dans la tête, qu'ils se prennent des balles dans les yeux, qu'ils se prennent des balles dans les parties génitales. Alors, le fait qu'ils se fassent matraquer, gazer, coffrer, foutu en tôle, condamner, et que Balkany passe moins de temps en confinement qu'en tôle. Du moins en tout le confinement. D'abord, quand tu... Alors, ce qui m'a beaucoup choqué sur les Gilets jaunes, cette espèce de haine qu'il y avait contre les policiers, contre le... Et réciproquement. Je pense que, bien sûr, et je pense que le pauvre CRS qui est en face, c'est un Gilet jaune quelque part. C'est un pauvre qui tape sur un pauvre. Voilà, je pense qu'il y a... deux personnes l'une en face de l'autre. Et quand je me souviens d'entendre... Tu te souviens, il y avait eu un suicide et il y a des gens qui criaient « Suicidez-vous, débarrassez-nous ». Horrible. Ça m'a assez choqué. Et il y a un moment où la haine te rend con. Tu fais n'importe quoi. Tu vois, tu n'es plus, t'es plus un mec normal. T'es prêt à tuer, t'es prêt à taper des deux côtés. Voilà, j'ai pas de jugement à faire ça. Je pense que peut-être que... Moi qui ai fait mes 68, moi qui étais aussi dans la violence, j'aurais peut-être fait la même chose. Donc, t'as caillassé du Condé ?
Ouais, mais j'aurais voyez que pas de loin. C'était un peu le petit bourgeois lançant des pavés de loin avec des bagnoles qui brûlaient. C'était quand même moins violent qu'aujourd'hui, beaucoup moins violent, même si on avait envie de tout casser. Et c'est normal d'avoir envie de tout casser, je pense, quand tu as 18 ans. Tu as envie de casser le système, c'est humain. Mais les gilets jaunes, alors moi j'ai interrogé, j'ai fait des femmes gilets jaunes dans mon film. Et quand elles te racontent qu'une femme qui gagne 1200 euros par mois, voilà, qui a deux enfants, aide-soignante. 1200, c'est déjà beaucoup. Voilà, hein. 1000 aides-soignantes, qui touchent, que le mari ne paye pas sa pension. Eh bien, on en a interrogé, c'est des interviews qui m'ont fendu le cœur, véritablement. Et je comprends cette colère. Il y a une répartition des richesses qui n'est pas juste. Et moi, je suis un privilégié, je le dis et le redis. Mais j'en ai vraiment conscience, et c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Gaël Giraud, ça te fait penser à quoi ? À un ami que j'adore, quelqu'un de bien, un virtuose au piano. Voilà, c'est un type qui est formidable. Et ce type qui est jésuite, qui est brillant, qui a été un trader, qui est capable aujourd'hui d'être un homme d'église. Alors, tu vois, moi, je ne suis pas croyant, mais je suis en admiration devant ça. Et qui donne 100 euros qui garde 100 euros par mois, tout son salaire est donné à la communauté. Beaucoup d'admiration, d'intelligence. C'est drôle parce qu'on avait un projet de faire un livre ensemble, tous les deux. Et c'était une idée d'un éditeur. Puis je me suis dit, je ne vais pas être au niveau du tout, toi, je ne vais pas être au niveau. Donc, je vois quand j'ai décliné en me disant, quand tu fais un bouquin avec un mec qui est si malin, si intelligent, tu dis, non, ça ne va pas marcher. Donc, je ne l'ai pas fait. On a fait une interview de lui. Oui, je l'ai vu. C'est peut-être pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, tu sais. Pourquoi ? Parce que je trouvais que tes interviews sont longues, tu prends le temps d'écouter les gens. Et puis, en fin de compte, ce que je n'avais pas ressenti, c'était assez d'empathie envers les gens que tu interviews, quelque part. Tu aimes bien les gens que tu interviews, parce que moi, je sais. Faut pas le dire. Non, mais c'est important tu sais parler aux gens, quoi. Tu sais, voilà, c'est comme ça que je le ressens. J'avais un peu peur en arrivant. Bah, écoute, t'as pas été dans la cave, donc ça va. Parce que avant, on tournait dans une cave, mais la communauté nous a un peu aidés pour sortir de notre cave. Ça y est, je rougis. Non, le plus jouissif avec l'interview de Gaël Giraud, c'est. On a une question qu'on pose un petit peu d'une façon piquante, qui est-ce que vous avez un ami imaginaire pour faire référence si vous êtes croyant ou pas croyant ? Et quand en face, on a un jésuite qui a fait une thèse ou un doctorat sur... théologie, oui, sur la théologie et l'écologie, hein. Voilà. Oui, bien sûr. C'est difficile à comprendre. Hein. Il faut mâcher. Tu l'as entendu. Non, mais il est brillantissime. Oui. Qui a d'autres de brillantissime encore en France ? C'est peut-être la sœur Marie-Jo, qui est une bonne sœur, qui reçoit des réfugiés tous les jours, que je connais bien, qui est dans le sous-sol de son église, à la porte de chapelle. Parce que les réfugiés, quand ils arrivent en France, ils connaissent la sœur Marie-Jo, parce que ça... Ça se passe, et quand ils arrivent, ils vont directement la voir pour avoir des vêtements, pour avoir de l'argent, pour qu'on l'aide. Et voilà, ça, c'est des gens qui ne parlent pas à la télé, que personne ne connaît, qui font un travail incroyable. C'est ceux-là que j'admire. Et il y en a beaucoup, je peux te dire. Cédric Héroux. Cédric Héroux, il a cette côté naïf, utopiste, courageux, voilà. C'est des gens qui sauvent nos âmes, ces gens-là, qui sont importants, hein. Les gens de SOS Méditerranée. Et je suis en grande admiration devant ces gens. J'essaye d'aider comme je peux. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ne sont pas contents, par exemple, du travail de Cédric Héroux avec les réfugiés, par exemple, avec le travail de SOS Méditerranée pour protéger des vies en Méditerranée, quand ils disent, voilà... Ces gens-là sont des importateurs de terroristes, des importateurs de misère, des complices des passeurs. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là ? D'abord, il faut leur dire que quoi qu'ils pensent, la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. On est au début de quelque chose qui va être beaucoup plus important qu'on croit. On l'a dit tout à l'heure, mais quand tu vis dans un pays... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément changé de choses. Il se trouve que j'ai beaucoup de jeunes que je connais... qui vit dans les pays africains. Et tous les gosses, ils ont WhatsApp aujourd'hui. Ils savent, ils ont Internet. Donc, le gosse adolescent qui vit
Addis Abeba, qui vit à Bamako. Il sait très bien comment on vit. Il sait ce qui se passe ici. Et donc, ce paradis qu'il n'a pas chez lui, puisque je répète, il n'a pas de travail, il n'a pas de démocratie, il n'a pas de service santé, pas d'éducation, il n'a qu'une envie, c'est de venir chez toi. Et donc, tous ces jeunes ne parlent que d'une chose toute la journée, comment on va partir ailleurs, comment on va réussir à parler aux copains quand ils sont là-bas. Et quand tu vois un mec qui balaye dans la rue, un black, souvent, il faut imaginer d'où il vient le type, hein. Il faut imaginer ce qu'il fait. Souvent, c'est des Maliens, dont la famille a payé le voyage. Il envoie une partie de son salaire à sa famille qui l'attend là-bas. Et je le regarde d'une façon, moi, avec respect, ce type-là, tu vois, qui vient ici nous aider à vivre mieux pour que sa famille vive d'une façon meilleure chez eux. Et le fait de... J'ai la chance d'avoir voyagé, d'avoir rencontré beaucoup de gens, ça a développé peut-être chez moi, peut-être que c'est une chance, tu vois. Je suis toujours parti d'une famille... Ma mère, déjà, faisait de l'éducation, de la... très catho qui faisait de la, tu vois, comment ça, apprenait à lire aux réfugiés déjà dans les années 70. Donc j'ai été élevé un peu là-dedans. Et puis moi, les plus belles années de ma vie, je les ai passées en Afrique, quoi. C'est des gens que j'aime. Et cette souffrance que tu vis dans ces pays-là, tu ne peux pas la refuser. Il faut que tu l'acceptes. Tu ne peux pas refuser quelqu'un qui vient, qui a risqué sa vie. Qui risquait sa vie, des milliers de morts chaque année qui dans la Méditerranée. Je suis désolé. Bon, vas-y, je vais faire le con pendant vas-y, que tu... Vas-y, fais le con, vas-y. C'est drôle qu'en vieillissant, je suis de plus en plus sensible. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je me mets à pleurer là-dessus, c'est un peu con. Les migrants climatiques. Alors, les migrants climatiques, il y a quelqu'un qui t'a dit « les migrants climatiques ». Alors, on parle de millions, hein, c'est ce que disent les Nations Unies. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus des migrants qui fuient la guerre. Hein, tous les Syriens, le Soudan, tu vois, des gens qui peuvent vivre chez eux. Puis surtout des migrants économiques. Je répète, aujourd'hui, l'information passe tellement bien, tu vois, de comment... Nous, on ne se rend pas compte comment on vit ici. Quand tu vis à Brazzaville, tu vas dans un hôpital, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de pansements. Et ça n'existe pas. Si tu vois, il y a pas d'assurance sociale. Tu vois, et tu vis dans un pays, on te dit, on t'appelle, dit, c'est génial en France. Dis donc, tu viens en France, t'es réfugié, tu as 400, parce qu'un réfugié, s'il est accepté, il touche 400 euros par mois. 400 euros par mois, c'est gigantesque quand tu vis à Bamako. Donc voilà, il y a une espèce d'envie. Mais il faut savoir que depuis le début de l'humanité, c'est la ronde infernale. C'est normal d'aller avec ta famille où tu vas vivre mieux. C'est l'histoire du monde. Voilà, quand il y aura avec 8 milliards de personnes, c'est plus compliqué que quand tu en as qu'il y en avait quelques millions. Mais voilà, c'est normal que les gens viennent chez nous. Question d'Internet. Un avis sur la chasse, c'est mieux ou c'est pire que l'élevage? Alors, moi j'ai été chasseur quand j'avais 20 ans, quelques années, pas longtemps. À plume, à poil. Oh, c'est compliqué, mais j'ai pas beaucoup parlé de ça. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé quand j'avais 20 ans, l'endroit où j'étais était une réserve de chasse. Et donc il y a des gens qui venaient, qui payaient pour chasser. Et moi, mon rôle, c'était souvent d'aller ramasser les animaux qui étaient morts, qui avaient été blessés, qui n'avaient pas été dans la forêt. Donc on cherchait les animaux. Et un jour, j'ai trouvé un sanglier qui avait pris une balle dans les... qui avait les deux pattes coupées, qui avait eu la mâchoire arrachée, et qui est un animal qui aurait dû peser 100 kilos, qui devait en peser 20, tu vois, et qui était une espèce d'animal comme ça. Et j'ai plus jamais touché un fusil de ma vie, et c'est moi qui l'ai tué avec un couteau suisse, tu vois, tout petit couteau suisse. Voilà, mais en même temps, voilà, on vit dans un... Moi, je vis dans la forêt de Rambouillet, et j'essaye, dans l'endroit où j'habite, j'aimerais pouvoir interdire la chasse à l'endroit où je vis, quoi, faire une espèce de... un moratoire ou quelques années, on va arrêter la chasse. Parce que je pense que de voir une biche ou un cerf à côté de toi dans la forêt, c'est un cadeau formidable. Et ça a beaucoup plus de valeur de voir un animal mort. Cet animal, il va faire plaisir à beaucoup, beaucoup de gens. Et d'ailleurs, j'ai même un projet avec la fondation... On n'a pas parlé de ma fondation Good Planet, parce que j'aimerais qu'on en parle, parce que c'est important. J'aimerais essayer de mettre... Alors, c'est une idée complètement folle, de mettre dans le bois de Boulogne des cerfs et des biches. Voilà.
Et j'adorerais avoir entouré 3-4 hectares, de mettre des animaux et après d'ouvrir les barrières, que les animaux puissent sortir. Ça existe dans les parcs en Angleterre, ça existe dans un parc au Danemark où tu as un bois très proche de la ville, il y a des cerfs et des biches que tu approches très près. Et ce sera un cadeau formidable pour les Parisiens d'avoir une forêt avec des animaux sauvages à l'intérieur. Or, bien sûr, ça sera compliqué pour les bagnoles, bien sûr compliqué pour les forestiers, mais ça vaut le coup d'essayer parce qu'on vit dans un monde où l'animal sauvage dérange et gêne. Donc, moi, il y en a. Et les animaux, les grands cervidés, par exemple, dans la forêt de Rambouillet, ben, personne n'en veut, les paysans n'en veulent pas, parce que, bien sûr, tu fais du maïs en bordure de forêt. Les chasseurs aimeraient bien en tirer un peu plus. Les assureurs font la guerre contre les grands gibiers, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accidents avec les cerfs et les sangliers, beaucoup. Et puis, il y a aussi les gens qui font pousser tous les forestiers, parce que, bien sûr, quand tu plantes des arbres, les cerfs vont se faire les bois dessus, les chevreuils vont faire... Donc, voilà, ces pauvres animaux, personne n'en veut. Et pourtant, je pense que l'animal sauvage, il faut apprendre à vivre avec lui. C'est beaucoup plus compliqué de vivre avec des loups, avec des ours. On connaît le problème. Mais des cerfs et des biches, je pense qu'on pourrait avoir une densité bien plus supérieure aux cerfs ou des biches, quoi que disent les forestiers. Voilà, et j'aimerais qu'il y ait des... Et c'est ce côté un peu Kenya que j'ai vécu, où les animaux sauvages n'ont pas peur de toi. Quel panard de voir une antilope à 20 mètres qui te regarde et qui broute tranquillement. J'adorerais voir des cerfs et des biches, et j'adorerais que tous les enfants de France puissent voir des animaux libres comme ça. Ça, c'est un cadeau, c'est très important. Donc, j'aime pas beaucoup la chasse. Maintenant, soit chasse à courre, par exemple, je suis contre la chasse à courre, mais c'est une chasse traditionnelle depuis longtemps, blablabla, avec la tradition. Il y a des gens qui connaissent beaucoup les animaux. La chasse à courre dérange la forêt énormément, et c'est la façon dont c'est fait, c'est pas terrible, mais ils prennent très peu d'animaux. La chasse à tir tire beaucoup. Moi, dans ma région, par exemple, je suis pas pour la chasse à tir, hein, la chasse à courre, loin de là, mais... La chasse à courre dans la forêt de Rambouillet, ils ont 22 animaux chaque année. C'est un folklore barbare. Oui, mais peut-être, d'accord. Mais c'est ils 22. Savent pas mais je suis d'accord avec cheval, toi. D'accord. Ils massacrent la bouche des chevaux, ils savent pas sauter. Non, je crois pas tout. Enfin, ils tuent 22. Attends. La chasse à courre. Laisse-moi finir. Chasse à courre. Je ne défends pas la chasse à courre. Mais ils ne prennent que 22 animaux par an. Ils ont le droit d'en prendre, point de moins. Chasse à tir, ils en tuent 300. La chasse à tir, ils tirent les femelles. Alors, la chasse à courre ne tire que les mâles. Alors maintenant, je suis contre la chasse à tir, parce que la chasse à courre, ça dérange la forêt. Mais je pense que s'il y a encore des animaux sauvages dans la forêt, c'est grâce à la chasse à courre, parce que ces gens ont protégé leur gibier. Voilà, il y a une tradition qui fait qu'ils ont protégé les animaux pour garder leur truc. Mais je suis complètement contre. Je suis contre la corrida, on ne va pas rentrer là-dedans. Je suis contre la corrida, tu vois, la chasse à courre. C'est une tradition archaïque et barbare, ou c'est les racines de la France ? C'est un peu des deux, je pense que... Mais c'est plus dans l'air du temps. Mais tu sais, par rapport aux milliards d'animaux qui sont tués chaque année dans les abattoirs, on déteste la chasse à courre, mais dans ce cas-là, on devrait... Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, tu vois très bien ce que je veux dire. Je ne suis pas un défenseur de chasse à courre, mais je reconnais qu'il y a une certaine éthique et tradition dans cette chasse qui n'est pas du tout... la mienne, mais il y a un certain respect de l'animal. Qu'il n'y a sans doute pas, c'est le chasseur à tir. Voilà. Lalali. Est-ce que tu as envie de parler d'un sujet avec nous ? Non, je voudrais parler de la Fondation Blue Planet. Vas-y, vas-y. Voilà, qui est dirigée par des gens... c'est un peu une utopie, tu vois, d'avoir créé à Paris un endroit, un petit château que nous a prêté la ville de Paris, avec 3 hectares, où on est là pour parler d'une écologie humaniste, où on est capable de parler du changement climatique, de parler de la cuisine responsable, de mettre des films qui passent régulièrement sur l'écologie, de faire un escape game sur le carbone, de parler des réfugiés, parce qu'on a fait venir des bateaux. Bon, les réfugiés, t'avais bien compris, c'était quelque chose qui me passionnait. Donc on a fait venir des bateaux. Donc c'est un endroit très plein d'utopies, où on parle de... J'aimerais que je règne la gentillesse, la bienveillance. On reçoit beaucoup de gens qui viennent. C'est gratuit. Gratuit, ouvert à tous. Où tout le monde peut venir parler d'écologie. Parler, il y a des conférences avec Pablo Servigne, Mathieu Ricard, Mohamed Younous. Donc voilà, c'est un endroit très utopique. Où on peut parler du monde de demain... Voilà, on distribue les fameux posters qu'on a fait dans toutes les écoles de France sur les ODD, qui sont distribués partout, avec une équipe géniale. Je suis qu'un président de loin, parce que c'est eux qui travaillent. Et j'ai beaucoup d'admiration et de tendresse pour les gens qui travaillent à la Fondation.
et je les embrasse. Et il y a 350 bénévoles, tu te rends compte, qui viennent. Rappelle-moi l'adresse. C'est dans le bois de Boulogne, c'est au carrefour de Longchamp, carrefour, voilà, c'est Fondation Goulpanet. Et on aimerait cet endroit, on aimerait beaucoup le pouvoir de multiplier à travers la France, tu vois, avoir des endroits où les gens peuvent venir. Et les gens viennent en famille, pique-niquer, parler d'écologie, d'environnement. Et par exemple, toi, Mathieu Ricard est venu, on a fait une méditation avec 1000 personnes. Et il se passait quelque chose de magique, tu vois. Et c'était assez formidable. Moi, j'adore cet endroit. Et merci à la ville de Paris de nous avoir prêté cet endroit. Je voudrais qu'on reparle de la Convention citoyenne et du fait que l'État a été condamné pour son inaction. Ce n'est pas la Convention citoyenne qui l'a condamné. Ça, c'est l'affaire du siècle. Je voudrais qu'on reparle de la Convention citoyenne et de sa capacité à avoir un impact. Alors, on va montrer le livre qui vient de sortir, c'est le livre qui a fait. Moi, je vais pas enlever ma photo parce que c'est pas moi qui ai écrit le livre, c'est fait par les gens de ma fondation. Voilà. On est en train de faire un film sur eux en ce moment. Et c'est 150 personnes qui ont été choisies au hasard, par random. C'est drôle d'ailleurs. Tu sais que Cohn-Bendit a été choisi par hasard. Il y a quelqu'un qui l'appelle, qui dit bonjour, voilà, vous êtes monsieur Cohn-Bendit, oui. Le hasard fait mal les choses. C'est incroyable. Donc, c'est choisi. Beaucoup ne connaissaient rien à l'écologie. Et ils sont sortis de là passionnés, tu vois. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est d'être devenu citoyen, de savoir qu'ils avaient une responsabilité, qu'ils étaient là pour changer quelque chose. Et ça, ils l'ont pris à bras-le-corps. Et quand, par exemple, ils disent de rouler à 120 km sur les autoroutes, alors que tu vis en province, tu vois, voilà, c'est ou 110 km/h. Tu vois, c'était impossible à accepter. Mais c'est eux-mêmes qui l'ont demandé. Et c'est des gens normaux, c'est le français moyen, tu vois. Et j'étais fasciné par le... et je me souviens, moi, j'assistais à la fin, où tout le monde est tombé en pleurs, d'émotion d'avoir fait quelque chose, d'avoir ces propositions, de Cyril Dion, Mathilde Imer, et tous ces gens qui étaient là en pleurant, en s'embrassant, c'était super impressionnant. Ils avaient senti qu'ils avaient fait quelque chose d'important dans leur vie. Et ça, c'est magique, tu vois, d'avoir donné la possibilité à ces gens. Et c'est drôle parce que des gens, après, maintenant, se sont engagés en politique, tu vois. Il y en a qui vont devenir maires, il y en a... Ça a déclenché quelque chose, et cette convention citoyenne, c'est formidable. Et d'ailleurs, bravo à Macron d'avoir fait, parce qu'il faut quand même se dire que c'est quand même lui qui a décidé de le faire. Bravo surtout à Cyril Dion et Mathilde Imer d'avoir convaincu Macron. Bien sûr, c'était compliqué pour lui, mais au moins, il l'a fait. Voilà. Il n'y a pas que du mauvais, chez les hommes politiques. Des fois, ils prennent des décisions. Bien sûr, après, il a été extrêmement maladroit quand il a parlé des Amish et du reste. Mais c'est une connerie. On dit tous des conneries dans la vie. Et là, il a déconné. Question d'Internet. Oui. Quid de son influence à l'étranger ? Est-ce que Yann Arthus Bertrand, il est influent à l'étranger ? Est-ce qu'on l'écoute ? Alors, je vais te dire. D'abord, quand tu as la chance de faire des films comme moi, et que tes films sont distribués à l'étranger. Un film comme Home, par exemple, par chance, parce qu'on a, avec Luc Besson, on a vraiment trouvé... Parce que le cinéma, c'est quand même un truc d'argent, quoi. Tu as des producteurs qui font un film, et après, le film sort, il y a des droits, et donc les films ne sont jamais libres de droits, tu vois. Et là, avec Luc Besson, j'ai convaincu Luc de trouver un mécène pour payer Home, et ce qui fait que le film a été une histoire incroyable. Home a été vu par près de 600 millions de personnes dans le monde, et que, par exemple, quand tu passes en prime time sur la télévision chinoise, tu as 250 millions de personnes qui voient ton film. Et à tel point qu'en Chine, il y a une association qui s'appelle Home. Ils ont fait des DVD, puisque comme c'est libre de droit, ils le font. Et les DVD, ils les présentaient. Alors, je ne sais plus si ça marche encore beaucoup. Moi, j'ai été en Chine il y a quelques années. Il y avait tous un groupement d'associations. Des milliers de gens ont le DVD de Home chez eux et allaient le présenter dans les écoles. Aller le présenter dans les mariages, dans la rue, extraordinaire, quoi. Donc, je ne dois pas avoir une grande... Mais quand tu fais des films et que tu es vu par des millions de personnes, tu as une responsabilité de faire les choses bien. Et d'ailleurs, je me souviens, quand j'avais été au César, j'avais remis un prix, et j'avais fait un petit discours écolo en mettant un prix, un silence de mort, toi. Vraiment, qu'est-ce qui nous fait chier, il y a ça 10 ans. Et je leur avais dit, voilà, vous êtes vu par des millions de personnes, vous avez une responsabilité de parler d'écologie et d'environnement. Et je pense que le cinéma te permet d'envoyer des messages comme ça à travers le monde. Et voilà, et qu'aujourd'hui, le cinéma est en train de le faire.
Et j'étais hier avec le CNC, tu vois, où ils me demandaient de réfléchir. Ils travaillent avec Janko, afin que maintenant, il va avoir une... Quand tu vas avoir les aides du CNC, donc pour faire ton cinéma, tu pourras respecter certaines règles écologiques, et c'est vachement bien. On arrive à la fin de notre interview. Ouf. Tu veux continuer encore ? Non, mais je fais avec plaisir de parler avec vous. Les gens vont en avoir marre. Est-ce que... Non, c'est pas vrai, parce que là ils sont tous bien actifs. Ils sont très contents, d'ailleurs. D'accord. Est-ce que t'as trois ça livres... Ça marche toujours quand tu parles d'amour, tu sais. Je pense que... On a tous en nous cette envie d'avoir un monde meilleur, tu vois, et de partager et d'imaginer un monde, tu vois, avec un happy end, tu vois. Moi, j'aime bien le cinéma quand ça finit bien, tu vois. Et là, on peut y mettre... On est sur une route où il y a une mauvaise fin. On a tous envie d'avoir une fin heureuse. Et donc, ensemble, de tous imaginer qu'on peut y arriver ensemble... ça me plaît, parce qu'on ne va pas y arriver tout seul. Ce n'est pas toi qui vas y arriver et moi tout seul, on va tous y arriver ensemble. Et je pense qu'on a tous des enfants, on a tous des gens qu'on aime, et on a tous envie d'avoir un monde meilleur demain. Et ce discours de fin du monde annoncé, c'est quelque part insupportable, et on peut tous se battre contre ça. Est-ce que tu as trois livres et trois documentaires à conseiller à notre communauté ? Alors, y a un livre qui s'appelle « La supplication », qui est un des livres que je préfère, qui a été écrit par le prix Nobel russe de littérature. Je vous dirais, je ne veux pas même pas prononcer son nom, parce qu'elle a un nom imprononçable. Aixovitch, quelque chose. Je suis très mauvais dans les noms. Et c'est un livre formidable sur... faut dire le nom. Vas-y, cherche sur Internet, toi qui es sur l'ordinateur. On va faire mieux que ça. Voilà, il y a sûrement des gens qui vont on le On demande dire. À la communauté d'aller chercher, voilà. S'il vous plaît, les gars. C'est peut-être pour moi... une des plus grandes, encore une femme encore, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les cercueils de plomb » sur la guerre d'Afghanistan, qui a écrit des livres sur les femmes et la guerre. C'est vraiment le prix Nobel quand même, donc c'est une femme extraordinaire que j'avais rencontrée où est-ce qu'elle vit déjà ? J'ai un trou, c'est pas grave, dans une Tabalt, formidable. Un pays dictateur, dites-moi un pays avec un dictateur. De quelle année ? Quoi, maintenant, en ce moment-là ? Maintenant Un des trois pays, bah, vas-y. On a vraiment l'air de cons devant des centaines de milliers de personnes. J'allais dire Yanukovych, mais non. Non, mais c'est bon. Comment ça s'appelle elle vit à... Biélorussie. Biélorussie, voilà. Elle vit en Biélorussie. J'ai une histoire extraordinaire à raconter. Alors, on a le nom, si tu veux. Vas-y. Svetlana Alexeyevitch. Voilà. Tu vois que le nom n'est pas facile à dire. C'est un livre, c'est une femme extraordinaire, j'ai lu son bouquin. Elle a écrit beaucoup de livres. Et un jour, je suis invité à Minsk, faire une projection. Elle a eu le prix Nobel. Et quand j'arrive à l'aéroport, c'est elle qui m'accueille avec un bouquet de fleurs. Et là, je ne savais pas que c'est elle qui m'avait invité. Et tout l'argent du prix Nobel, elle fait venir des gens qu'elle aime, dans son pays, pour parler de démocratie et de liberté. Et donc, on a fait deux projections de Human, formidables. Donc ça, voilà, ça, c'est un auteur formidable. La supplication, c'est un des livres, mes préférés. Après, je lis beaucoup, beaucoup de livres sur l'écologie, en ce moment. Collapse, qui est un film sur la... qui raconte. Je suis très mauvais. Je suis fatigué ce soir. Mais quoi qu'il en soit, Collapse, qui est un bouquin formidable, sur l'île de Pâques, toi, comment les civilisations décident de vivre ou pas. Les bouquins de Janko, bien sûr. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup de Morrison, qui est Le Retour, qui est un auteur américain, un livre que je lis régulièrement, un roman, parce que je lis très, très peu de romans, en fin de compte. J'ai beaucoup d'essais. Qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment ? Je suis en train de lire un bouquin sur John Muir, qui est le gars qui a fondé le Sierra Club aux États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les grandes réserves, les premières réserves nationales ont été créées aux États-Unis. Et il y a un bouquin formidable. J'aurais pu être milliardaire et je suis devenu vagabond. Je suis en train de lire ce livre qui est passionnant. Voilà, je lis énormément de livres sur l'écologie et il en paraît tellement... voilà, peut-être ça, c'est pas un mauvais bouquin aussi. Voilà. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations ?
Mais ça, c'est des questions concons, ce que tu me racontes, mon cher. C'est, alors, c'est une question qu'on pose. Oui, c'est mais une question qu'on pose. Dire, c'est un conseil fédération. Moi, je pense que c'est... va au bout de tes rêves et saisis ta chance. T'as envie de faire quelque chose, essaye. Vénération, c'est d'essayer. Tu vas peut-être pas y arriver, mais essaye, c'est tellement important. Voilà. Et va au bout de tes rêves et ne passe pas à côté de ta chance. Si t'as la chance, c'est là, tu la saisis. Tu vas prendre des risques, peut-être te casser la gueule, mais tu peux y arriver. Et surtout, si t'essayes pas, toute ta vie, tu dis « merde, j'aurais dû essayer ». Voilà, si tu as une envie, va au bout de tes rêves. Ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, ça a marché avec moi. Donc peut-être que ça peut marcher pour vous aussi. Yann Arthus-Bertrand, merci.